All right, thank you, ladies and gentlemen. We're going to start the afternoon session of the open consultations. I'll hand it over to Lynn. Welcome. Thank you for coming back. Bien, nous allons reprendre nos travaux. Merci d'être là à l'heure. Je sais que tout le monde devait rattraper et se remettre au courant pendant l'heure du déjeuner. Nous allons donc commencer notre séance de l'après-midi, la poursuite du débat de ce matin d'abord, et ensuite on passera au point 3 de l'ordre du jour. Il nous restait une personne sur la liste d'orateurs et apparemment une deuxième personne. Alors, je ne reconnais pas ou je ne connais pas tout le monde, alors n'oubliez pas de lever votre chevalet pour que je puisse vous donner la parole. On va consacrer un petit peu de temps encore à cette question, mais j'aimerais bien que nous passions rapidement à la FGI 2016. Et ensuite, nous avons encore deux points importants à l'ordre du jour. Alors, celle-là, la parole. Merci, Madame la Présidente. So, I'd like to make a few comments and the Sala, c'est Salanieta Tamanikaiwaimaro. J'aimerais faire quelques commentaires, notamment à propos de 2015. C'était un moment charnière où un certain nombre de d'objectifs ont été concrétisés et d'autres ont été relancés. D'abord, on a examiné ou fait le point sur les 10 dernières années. On a décidé les ODD après 2016, le programme d'Addis Abeba, etc. Et le programme d'action d'Addis Abeba a consacré la volonté politique dans le cadre de la communauté internationale pour ce qui est de la mise en place d'un environnement favorable à différentes initiatives de développement durable et en l'occurrence aussi les aspects d'Internet, de la gouvernance d'Internet. Je sais qu'on s'occupe du FGI 2015, mais je crois qu'il est essentiel pour ceux qui regardent le début ou la préparation du FGI 2016, il est essentiel de voir quelles sont les tendances au niveau international et leur impact sur les questions qui ont été abordées à l'époque. Cela a un impact certain sur le panorama de l'Internet et de la gouvernance Internet actuelle. Quelqu'un, notre collègue qui venait de la Belgique, a parlé du terrorisme international. Je profite pour exprimer mes sincères condoléances à ce pays. Mais aussi, cela a des retombées sur la guerre cybernétique, la cybersécurité. Il y a aussi des retombées sur le changement climatique. Les catastrophes naturelles qui, à leur tour, ont aussi des retombées sur l'infrastructure. Chez nous, à Fidji, on essaie de relancer la machine après le cyclone tropical où des milliers de personnes ont perdu leur foyer. Les retombées ont été terribles pour notre pays. En somme, le FGI 2016 est sans aucun doute une occasion sans précédent pour que les parties prenantes à la gouvernance d'Internet abordent la question, la manière de parvenir aux objectifs de développement durable de manière créative, innovatrice, en essayant de catalyser les énergies et les richesses de la communauté multipartite. Alors, beaucoup d'efforts sont allés au lien avec le programme d'action d'Addis Abeba et les ODD. C'est pourquoi nous n'avons pas réinventé la roue. Nous devons
simplement continuer sur notre lancée. Et cela me mène à ma dernière remarque, celle des modalités. Le FGI 2016 doit être exploité pour utiliser la coalition dynamique, à savoir les lignes directrices qui ont été conçues l'année passée au Brésil. Bien. Merci. Giovanni, vous n'étiez pas là ce matin, je crois. Alors, profitons de l'occasion pour vous présenter, vous et votre organisation. Oui, en effet, j'ai été absent du FGI pendant un certain nombre d'années. Je m'appelle Jovan Korvalif. Je suis le président le directeur de la plateforme Internet à Genève. Je suis très heureux de vous voir ici. J'ai été mené à réfléchir sur les résultats du dernier FGI et ce que l'on peut en tirer pour les préparatifs de la prochaine FGI. Dans le cadre des préparatifs pour le PRESIF, nous nous sommes demandé quels étaient les principaux enseignements que l'on pouvait utiliser. Alors, on s'est rendu compte que si on n'était pas là le premier jour, on était perdu le second jour parce qu'il y avait beaucoup de réunions parallèles. Ensuite, on a toujours l'impression que si l'on assiste à une réunion parallèle, on en rate une autre. Et puis, nos collègues auraient souhaité un suivi sur les questions qui les intéressent. La cybersécurité, les petits états insulaires, la protection des données, etc. En partenariat avec la société civile, nous avons préparé un rapport qui tourne autour de trois axes. Faire un rapport juste après les séances, dans les deux heures à peu près. Avoir ce que l'on appelle un rapport matinal, un rapport du petit déjeuner. Alors nous avons eu la chance d'avoir une équipe en Europe qui travaillait pour nous avec le décalage horaire. Donc on avait le rapport le lendemain matin de ce qui s'était passé la veille. Et troisième caractéristique que l'on a constatée, c'est que surtout les représentants du gouvernement, ils avaient besoin de tous les rapports le lundi suivant la conclusion du FGI. Pour des raisons pratiques, ils doivent rentrer chez eux, dans leur capitale, l'organisation, il doit faire rapport sur le déroulement du FGI. Alors cette approche se fondait sur les avis de la communauté du FGI, qui était largement appréciée par les gens du FGI, mais aussi par l'ensemble des gens qui tournent autour du FGI. Alors on est parti d'une approche de renforcement des capacités. Nous avons formé une vingtaine de rapporteurs pour préparer ou rédiger les rapports à Jean Pessoa. Donc, nous avions des gens, des ambassadeurs de l'ISO, des anciens élèves. Et en outre, le rapport se réalisait en combinant le rapport traditionnel des rapporteurs, les données générales et les transcriptions des séances. C'était une importante innovation qui a augmenté le rayonnement du FGI. Plus de gens pouvaient suivre le FGI avec des documents de qualité et avoir un aperçu général, parce qu'on a tendance à se perdre un peu dans les méandres quand on est sur place. Troisième élément, c'était faire le lien, disons faire une sorte de cartographie du FGI. On peut suivre maintenant toutes les données, sauf évidemment les questions de protection des données, mais à tous les niveaux, pas seulement au niveau le plus superficiel, mais au niveau les plus fouillés, si vous voulez. Et je crois qu'on devrait joindre nos efforts, ceux du GFI avec toutes les autres parties impliquées, pour tirer parti de cette expérience qui, je crois, a été couronnée d'un grand succès pour travailler de manière plus intelligente. Voilà une explication de ce qui s'est passé l'année passée, en 2015, et qui pourrait également servir d'exemple ou d'inspiration pour le FGI 2016. Merci. Merci. Olivier, vous avez la parole.
Thank you very much, Madam Chair. Olivier Crépin-Leblanc. Bonjour, Olivier Crépin-Leblanc. Je suis président d'une organisation anglaise et de la coalition démanique sur les valeurs d'Internet. D'abord, j'aimerais vous féliciter pour votre nomination à la présidence de ce comité. Madame, c'est bien de voir que le manque d'équilibre entre hommes et femmes a été enfin partiellement compensé. Mais je vois que dans la salle, par contre, l'équilibre entre les sexes est assez bon. Maintenant, les commentaires au fond sur l'FGI, je serai très bref. Il y a une chose qui n'a pas été citée jusqu'ici, c'est le travail des coalitions dynamiques. Pour la première fois, à João Pessoa, réunion extraordinaire. Nous avons eu beaucoup de plaisir et merci au gouvernement brésilien. Les coalitions dynamiques ont eu deux sessions plénières pour la première fois où toutes les coalitions ont pu présenter le travail réalisé pendant toutes les années depuis leur création. Cela a permis aux différents dirigeants de ces coalitions de se parler les uns les autres, de se connaître. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cela nous permet de collaborer entre différentes parties prenantes et entre tous les participants, en gros. Donc, je vous encourage à jeter un coup d'œil à la déclaration des coalitions dynamiques où nous présentons notre position, notre avis, où nous faisons le point de notre travail. Et nous avons hâte de nous revoir lors de la prochaine FGI. Il y a un groupe de coordination qui a été ou qui est sur le point d'être créé, qui va être présenté au MAG une fois que le mandat sera rédigé. Et j'invite tous ceux qui s'intéressent aux coalitions dynamiques à prendre part à ce travail. C'est un travail intercession qui est en cours maintenant. Et je crois que c'est un travail qu'il vaut la peine, auquel il vaut la peine de participer. Merci. Merci Olivier, c'est très encourageant d'entendre ce que vous dites. Changotai a demandé la parole. Oh yes, sorry. En effet, j'ai oublié de vous dire au début que le personnel de l'OMPI m'a demandé de vous rappeler que vous n'avez pas le droit d'apporter ni boisson ni nourriture dans cette salle. Et puis, il y aura une réception ce soir après notre séance. Cette réception sera où ? Réception dans l'ISOC, juste à la sortie de la salle. Merci. Thank you. Merci. Je crois que quelqu'un de la délégation des États-Unis a demandé la parole ? Non ? Eh bien, no. Then we move on to Leanne. You have the floor, Leanne. Alors, Leanne a la parole. Many thanks to. Merci beaucoup à notre nouvelle présidente. Je m'appelle Leanne. Je fais une recherche sur la gouvernance d'Internet dans un institut de recherche. C'est un think tank qui s'occupe de la gouvernance d'Internet et je suis très heureuse d'être ici, de prendre part à ce débat interactif et j'aimerais apporter mon grain de sel au FGI. J'ai quelques commentaires à vous faire. D'abord, vous féliciter. Il faut que je vous félicite pour le renouvellement du mandat du FGI, 10 ans supplémentaires. Ça veut dire qu'on peut réfléchir plus en profondeur, que l'on peut regarder à un horizon plus lointain et qu'on peut réfléchir à la gouvernance d'Internet à plus long terme. Ma deuxième pensée, c'est bien sûr une pensée de reconnaissance au Brésil pour cette extraordinaire réunion à João Pessoa. Merci aux membres du MAC pour l'esprit innovateur dans lequel se sont déroulés les préparatifs du FGI et le FGI lui-même. Le format, les contenus
ont été largement transformés, et ce qui était très positif. Le pays hôte s'est surpassé. Il était bien conçu de manière très professionnelle. Enfin, les attentes. Les résultats ont été si nombreux que les parties prenantes ont toutes eu des bénéfices, des avantages. C'est pourquoi j'appelle tout un chacun à faire des contributions à ces nouveaux modèles de gouvernance de l'Internet, parce que nous avons tous beaucoup à y gagner. J'aimerais aussi faire deux suggestions pour le prochain FGI. J'ai constaté que le nouveau document WSIS Plus a été remanié. Ainsi, on met davantage l'accent sur le fossé numérique qu'il faut combler. Mais comment peut-on le faire? C'est une question qui mérite réflexion. Il y a beaucoup de programmes de renforcement des capacités, des écoles de formation, mais en raison de la diversité culturelle, les mêmes méthodes ne sont pas toujours valables partout. Il y a beaucoup de manières différentes de faire les mêmes choses ou d'arriver au même but. Et je crois qu'on pourrait peut-être cette année prévoir une séance plénière ou peut-être une séance en marge pour réfléchir à la question, pour par exemple échanger des expériences sur les programmes de renforcement de capacités qui ont bien fonctionné. Même s'il ne peut pas être universel, on peut s'inspirer les uns des autres. Ça, c'était la première proposition. Et puis, j'ai constaté que M. Hartmut, a dit que la jeunesse est sans aucun doute le moteur de l'avenir. Et il faut donc que nous y prêtions plus attention, que nous soyons plus soigneux. La deuxième proposition, c'est la sélection des ateliers. L'année passée, j'ai participé à distance à la réunion du MAG et à la consultation ouverte. Pendant l'évaluation des ateliers, il y en a tellement qui sont souvent dédoublés qu'il est très difficile de décider auquel on veut participer. Cette année, ce serait bien d'avoir un mécanisme qui permet aux membres du MAG de décider lorsque plusieurs ateliers font doublon, et proposer aux demandeurs, aux gens qui demandent d'organiser un atelier, de collaborer pour fusionner leur proposition respectives, afin de n'en faire qu'une seule. Ça permet en plus d'encourager la collaboration et l'interaction. C'est en plus une meilleure manière d'utiliser les ressources dont on dispose. Thank you. Merci. Je crois que je ne vous ai pas vu tout à l'heure, vous êtes juste derrière Virat, et je viens juste de m'apercevoir que vous aviez levé votre chevalet. Chengtai. Ah, c'est Shingata qui avait votre chevalet. Je crois que le moment est venu de parler du document de résultats du WSIS et d'entendre les commentaires d'orientation. Nous allons commencer la séance avec quelques remarques de Wai Meng Huak dans quelques minutes, qui représente l'UNDESA. Mais Jim, vous avez la parole pour... vous serez le dernier à intervenir.
Je m'appelle Jim Prendergast, je parle en mon propre nom. Mais pour donner suite à tout ce qui a été dit, j'aimerais applaudir au travail qui a été fait pour mettre en place des critères sur de participation. Je crois que le fait d'avoir 6 présentations PowerPoint avec 6 présentations sans dialogue me semble un peu déprimant. Alors, lorsque l'on passe du temps à réfléchir à des critères, eh bien, respectez-les. Malheureusement, j'ai réfléchi, j'ai fait une analyse des ateliers de l'année passée. Je suis arrivé à la conclusion que qu'une dizaine présentait 10 ou plus experts dans les tables rondes, et 6, on avait plus de, avait à peu près 15 à 20 participants. Donc, je crois que aussi louable que sont les objectifs, n'oubliez pas qu'il faut être intéressant, qu'il faut être aussi attirer l'attention des gens, susciter l'intérêt et surtout encourager le dialogue. Bien, merci. Nous allons passer au point 3 de l'ordre du jour, à savoir les résultats de la réunion de haut niveau de décembre 2015 à l'Assemblée générale. Un processus qui était la culmination de notre travail de 2015 et qui a donné lieu à l'adoption du nouveau mandat du FGI. Merci. Comme vous l'avez dit ce matin, l'année 2015 a été un jalon important pour le développement de la gouvernance d'Internet et pour le CIC en particulier. Vous avez, la plupart, été témoins de nos contributions à l'examen de la mise en œuvre des résultats du WSIS pendant le processus préparatoire qui a duré 6 mois. Nous avons entendu le secteur privé, la société civile, les organisations internationales, les communautés techniques et académiques, avec toutes les parties intéressées qui ont fait le point des progrès dans la mise en œuvre du WSIS et bien sûr le FGI. Une réunion de haut niveau a eu lieu aux Nations Unies avec des négociations qui, bien sûr, ont abouti à un document. Les délégués ont dit qu'il fallait aligner le processus WSIS et les objectifs de développement durable. Cela montre bien les contributions du CIC contribuent non seulement aux EDD, mais aussi aux objectifs des FGI. Nous sommes conscients qu'il faut combler le fossé numérique entre pays, entre hommes et femmes, sur l'importance aussi de la protection des droits de l'homme en ligne, et tout en tenant compte des besoins de cybersécurité. Il faut tenir compte que nous devons aussi renforcer la participation des pays en développement. Ce qui n'est pas mentionné, c'est l'examen de la mise en œuvre de WSIS qui devrait avoir en 2025. Les résultats de WSIS, y compris celui du FGI, seront partie intégrante des objectifs de développement et du programme de développement en 2030. Deux grandes réunions auront lieu au sein des Nations Unies. Une réunion multipartite sur la science, la technologie et l'innovation au service des ODD qui aura lieu du 6 au 7 juin de cette année au siège de New York des Nations Unies dans la chambre de l'ECOSOC. Ce forum STI a un mandat qui est celui du programme d'action d'Addis Abeba et du programme 2030. Mechanism, online platform, among other tasks, which again are called for by the...
C'est une tâche qui nous permet de voir comment opérationnaliser la technologie et les mécanismes y relatifs et que l'on retrouve sur la plateforme, entre autres tâches demandées dans le cadre des ODD. Il serait bon de voir en quoi le FGI peut contribuer au forum SDI. Peut-être que certains des membres du MAG ou la présidente du MAG pourraient participer aux travaux de SDI et y parler de notre rôle. C'est une option que l'on pourrait explorer plus avant. Deuxième événement, il s'agit du forum politique de haut niveau qui aura lieu du 11 au 20 juin au 11 au 20 juillet, à New York. Il s'agit d'une plateforme créée par les Nations Unies pour donner suite et procéder à l'examen du programme de 2030 et des ODD adoptés l'année dernière. L'objectif, le thème en fait de la réunion politique de haut niveau de cette année est de veiller à ce que personne ne demeure à la traîne. Et je dois vous dire que c'est là quelque chose de très important puisque les États membres des Nations Unies ont beaucoup investi dans l'élaboration des objectifs et il est important qu'il y ait une approche à plusieurs parties prenantes au cours de ces deux événements en ligne mais également hors ligne et on pourrait peut-être faire part de notre expérience en tant que FGI à cette réunion sur ce plan-là. Merci. Je vous propose de poursuivre ces consultations. Nous sommes toujours en consultation ouverte. Notre préférence serait bien entendu d'entendre l'avis des non-membres du MAG. Cette journée vous est réservée à titre prioritaire. Si vous avez des commentaires donc, à faire à ce qui vient de vous être dit, surtout n'hésitez pas à ce qui vient de vous être dit ou tout autre point de l'ordre du jour. Ou toute autre question qui pourrait découler des informations qui viennent de vous être informées. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être que l'on discute du lien entre certaines des choses que fait le FGI et les ODD. On pourrait peut-être y réfléchir. Je ne vois qu'une main se lever dans le haut de la salle. Vous avez la parole, madame. Merci. Je suis Shua Yang. Je représente l'UIT et je suis là pour prendre la parole au nom de la coalition dynamique relative à l'accessibilité et au handicap. Je suis désolée de ce que nous n'ayons pas été en mesure de participer au début de la réunion. Nous n'avons donc pas pu prendre la parole au titre des premiers points de l'ordre du jour, mais je souhaiterais tout de même vous dire que la coalition dynamique à propos du handicap et de l'accessibilité n'est pas d'accord avec ce qui est dit dans le document de Cynthia Thèse qui considérait que le FGF 2015 avait été marqué par une très grande accessibilité, avait pris de bonnes dispositions en matière d'accessibilité, car ce n'était absolument pas le cas. Et nous espérons que les directives relatives à l'accessibilité seront beaucoup mieux respectées en amont du prochain forum, puisque nous avons maintenant 10 ans de recul qu'il faudrait mettre à profit. Donc, comme le président du DICAT n'a pas pu participer à cette réunion d'aujourd'hui car elle avait d'autres engagements, mais elle ne manquera pas de participer aux réunions de demain et d'après-demain. Donc, il s'agit de Madame Andrea Sachs qui préside le DCAD. Merci beaucoup de vos commentaires. Nous accordons la plus grande importance aux directives relatives à l'accessibilité et dans l'accord de siège que nous signons avec l'État hôte, nous faisons apparaître en annexe ces directives. Lors des discussions que l'on a eues avec nos collègues mexicains la semaine dernière, nous avons évoqué ces annexes. Pour ce qui est de 2015, nous avions fait de notre mieux, mais je souhaiterais tout de même vous encourager à nous faire part de vos commentaires concrets. Nous pourrions peut-être en discuter et discuter ensemble de la manière dont on peut améliorer ce qui se fera au Mexique compte tenu de ce qui s'est fait au Brésil. À titre exceptionnel, je vais vous donner la parole pour réagir puisque vous avez demandé à nouveau intervenir, mais ensuite nous reprendrons la liste des orateurs. Merci beaucoup au secrétariat de sa réponse dont je le suis reconnaissante. Et en effet, le secrétariat, nous le savons, a toujours fait de son mieux pour répondre à cet impératif d'accessibilité. Cependant, nous souhaitons
souhaiterions tout de même que cette demande soit formulée par le DCAD. Vous le savez, c'est une demande que nous avons fait tous les ans depuis 10 ans maintenant, et nous espérons vraiment que les choses seront mieux organisées à l'avenir. Bien, je pense que nous sommes tous d'accord avec vous pour en effet espérer que les choses soient mieux organisées à l'avenir. Virat, Peter et Omar se sont déjà inscrits sur la liste des orateurs. Virat. Merci, merci Madame la Présidente. Pour ce qui concerne le fait d'établir un lien, une passerelle entre les ODD et ce que nous ferons cette année et à l'avenir, pourrions-nous rapidement prendre note des orientations qui nous ont été présentées directement dans cette salle et dans le document porté à notre connaissance plus tôt. Dans le document sur le résultat, j'attire votre attention sur le chapitre 63 qui traite, et je cite, de ce que, au cours de sa période d'existence, le forum devrait arrêter des modalités de travail permettant la participation des parties prenantes venant de pays en développement. Le groupe de travail sur les améliorations apportées au forum, présidé par Peter, et je sais qu'il va prendre la parole un peu après moi, m'a rappelé l'existence du chapitre 37A41, qui met pratiquement uniquement l'accent sur la participation des PMA au forum. Dans le discours qui nous a été lu au nom du département des affaires économiques et sociales, dans la lettre qui a été distribuée par l'ancien président du MAG l'année dernière, et dans les deux documents dont on a parlé également ce matin, donc pour ce qui est de la lettre, je pense qu'elle remontait au mois de septembre, une demande exprès nous a été présenté par M. Humboldt, qui souhaite que l'on établisse un lien entre les travaux du FGI et les ODD. Donc, nous ne manquons pas de documents écrits, mais aussi d'orientations qui nous sont parvenus depuis la communauté internationale, mais également les Nations Unies. Et nous devons, en tant que gouvernement, vraiment nous engager, dans la mesure du possible cette année, à essayer de proposer quelque chose qui puisse s'inscrire dans le cadre de ce processus à plus long terme que sont les ODD, les pays en développement et dont mon collègue Ossam vous a parlé plus tôt. Mais je pense qu'il faut tout d'abord commencer par faire en sorte que les pays en développement participent davantage à nos travaux, et on s'est un peu préoccupé du fait que l'on a une moindre participation, on est passé de 144 pays à 112, mais il faut renforcer la participation des PMA. Et une participation beaucoup plus large de tous. Les ODD, nous le savons, seront très bien traduits sous la forme de documents de politique nationale dans les pays en développement. Les gouvernements devront rendre compte à intervalles réguliers de ce qu'ils font à ce sujet dans le cadre de réunions qui seront organisées au mois de juillet. Je crois que dans la mesure où nous le pouvons, j'aimerais proposer que lors d'une des réunions en intersession que l'on aura, et qui donnera lieu d'ailleurs à une session principale, on puisse discuter de la participation des pays en développement, aussi bien au plan physique qu'à distance ou encore en ligne ou dans le cadre de nos ateliers, enfin bref, à tous les niveaux. Ce que je souhaiterais, c'est souscrire un engagement vis-à-vis du département des affaires économiques et sociales. Alors, je ne connais pas les chiffres, mais je sais que parmi les nouveaux participants, 71% nous viennent de pays en développement. Et pour ce qui concerne la parité, elle est aussi très bien respectée. Mais le DCE lui-même met énormément l'accent sur les pays en développement. Donc je pense que on a déjà fait beaucoup, on a déjà donné beaucoup de signaux en ce sens, mais il faut maintenant être beaucoup plus cohérent et dans le cadre de notre programme à 3 ans, à partir de là, voir ce que nous pouvons faire pour intégrer les ODD. Marilyn est là, elle pourra sans doute vous parler de la manière dont les FGI nationaux et régionaux intègrent les ODD à leur action. Et peut-être que ces FGI pourraient commencer tout cela avec la nouvelle année. Et lorsque les nouveaux membres du MAG arriveront à la fin de leur mandat, on aura alors un document de fond avec des contributions positives sur le plan de la participation et de ce que peuvent apporter également les PMA en lien avec les ODD. Merci. Merci, merci beaucoup Virat. Vous avez mentionné un certain nombre de documents clés dans nos travaux. Nous en avons pris note, mais je ne sais pas si tout cela a déjà été dit directement. Il y a aussi ce grand document clé qui nous vient de la CSTD pour les améliorations apportées au FGI.
Oui, non, j'avais bien fait référence à la section 37 à 41, qui sont justement consacrées, répond Virat. Très bien. Peter, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. J'ai pris la parole plutôt au nom de la Hongrie. J'aimerais maintenant prendre la parole au nom de la CSTD, dont j'assure la présidence. Et je souhaiterais vraiment féliciter le département des affaires économiques et sociales du travail réalisé à la coordination de l'examen décennal du SMSI. Une réalisation absolument fantastique, puisque c'est un résultat obtenu en l'espace de 6 mois uniquement. Point n'est besoin de rappeler que ce fut grâce à l'implication de toutes les parties prenantes que l'on a obtenu un si bon résultat. Cela étant dit, le document final confie de nombreuses tâches à la CSTD elle-même. Comme vous le savez, le mandat de la CSTD l'invite à procéder à l'examen de tout le système SMSI, et l'on nous a demandé, dans le cadre de cette tâche, de répertorier et de promouvoir les mesures qui ont été prises pour permettre un environnement plus propice aux TIC, à leur développement, et avoir des conseils politiques qui soient davantage mus par la demande. Travailler également sur les questions d'assistance technique, renforcement des capacités selon que de besoin. Personnellement, l'on m'a demandé de créer un groupe sur la coopération renforcée, mais si j'ai pris la parole, c'est surtout pour vous parler de cette quatrième tâche qui est de rendre compte de la mise en œuvre des recommandations relatives ou issues du groupe de travail sur les améliorations apportées au forum. Donc, il me semble que s'agit là d'une question dont nous devrions maintenant discuter. Je souhaiterais bien entendu féliciter le secrétariat du FGI, en particulier Chengetai, qui régulièrement présente des rapports au CSTD et apporte sa contribution à son action, mais je pense qu'il faudrait tout de même un engagement beaucoup plus grand de la part de notre communauté et plus précisément du MAG. Et j'aimerais donc vraiment encourager le MAG et ses membres à traiter avec tout le sérieux requis de cette question, car il s'agit sans doute d'une question qui va beaucoup nous occuper au cours de notre mandat. Merci. Merci, merci Peter. Omar, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mon pays n'avait jusque-là jamais participé aux travaux du FGI et je souhaiterais compléter ce qu'a dit Virat. Donc mon pays et d'autres pays n'ont jamais participé aux travaux du FGI et je souhaiterais, à l'instar de Virat, dire qu'en effet il nous faut réfléchir à la manière d'engager les communautés locales, en particulier dans les pays les moins avancés ou dans ces pays qui n'ont jamais participé aux réunions du forum. Et parmi les possibilités envisagées, il y aurait peut-être le site internet du FGI international qui a tardé à voir le jour, que l'on ne lance en général que quelques mois avant l'événement, sans qu'il n'y ait de mécanisme permettant un véritable échange avec les différentes communautés pour un plus grand engagement de leur part. Le site internet devrait, je crois, être un peu amélioré et il est assez ancien, un peu dépassé, pas très convivial. Et je pense qu'il gagnerait à être amélioré pour permettre une navigation beaucoup plus aisée de l'internaute, pour trouver beaucoup plus facilement les informations sur les différents thèmes dont se préoccupe le forum. Donc, cela permettrait d'avoir un meilleur accès aux informations. Et j'aurais d'ailleurs quelques autres propositions à vous faire à propos d'un engagement accru des communautés locales. On pourrait, première proposition, établir une liste, tout d'abord, des pays qui n'ont jamais participé aux travaux du forum. Et peut-être que l'on pourrait, à partir de là, prendre contact avec ces pays, leurs communautés locales, que ce soit par le biais de leurs associations commerciales, groupes technologiques ou autres, et les inviter à participer aux travaux du forum. Pour ce faire, nous pourrions peut-être organiser des ateliers dans les pays, comme l'a fait le SMSI par le passé. Et ce seraient donc des ateliers qui seraient proposés par les différents pays où l'on procéderait à un partage des informations à propos de ce qui se passe au sein des communautés locales. On pourrait aussi envisager d'organiser un atelier pour les PMA, pour les pays en développement,
ou pour les pays qui, jusque-là, n'ont jamais participé aux travaux du forum. On pourrait les inviter à participer à ces ateliers au cours desquels ils nous parleraient de l'état de leur cadre politique et réglementaire et autres informations pertinentes à propos des TIC. Et je pense que ce serait une façon d'impliquer davantage ces pays, leur expliquer comment participer au processus FGI. Et on pourrait mettre en place un système de tutorat qui leur permette une plus grande participation, une participation plus active au processus. Autre suggestion, faire appel au partenariat. Nous venons tous ici pour participer à ces réunions, ensuite nous rentrons chez nous et il n'y a pas de mécanisme qui permette aux différentes personnes et institutions ayant participé aux travaux du FGI de continuer de ce dialogue, procéder à un partage d'expériences, de connaissances les uns avec les autres et de travailler dans le cadre de projets communs pour améliorer ce qui se fait dans l'un ou l'autre pays, en particulier dans les pays en développement. Peut-être que nos collègues mexicains pourraient nous aider à mettre en place ce lien qui rapprocherait ainsi les différentes communautés. Il faudrait par exemple créer un nouveau portail de mise en correspondance qui nous permette de savoir qui vient au forum, ce que la personne en question fait au sein de sa communauté locale, dire quelles sont les informations que la personne pourrait mettre à disposition des autres. Et ainsi espérer établir des partenariats. Et pour ce qui concerne un engagement accru de la part de ces communautés, on pourrait peut-être utiliser la plateforme créée par l'ICANN, qui est assez intéressante, qui répond au nom de myican.org et qui permet aux particuliers de se créer un compte et donc d'avoir accès partant à différents types d'informations à propos du processus IPN. Mais on pourrait peut-être envisager quelque chose d'analogue pour le FGI myigf.org par exemple. Et donc voilà, Madame la Présidente, les quelques propositions que j'avais à faire. On pourrait peut-être essayer de donc vous le savez, il y a ce système, mettre en place finalement un système qui engage davantage les différentes communautés pour que les uns et les autres s'aident en matière de traduction. On aurait des textes qui seraient en anglais, qui seraient traduits dans les langues locales pour que tous aient un meilleur accès à l'information. Et on pourrait ainsi renforcer la communauté des start-up locales. Et je crois que l'on doit vraiment commencer à travailler davantage avec cette communauté des start-up qui aura certainement des idées nouvelles à nous présenter pour améliorer Internet et faire en sorte que cet outil nous profite à tous mieux et davantage. Donc, je souhaiterais également que l'on appuie le processus dont Hartmut nous a parlé plus tôt et à l'origine duquel il se trouve au Brésil, c'est-à-dire tout ce mouvement impliquant davantage la jeunesse. Il faut aider Hartmut, il faut aider son équipe pour que nous ayons une meilleure participation des jeunes en général, donc y compris non seulement ceux du Mexique, mais aussi ceux venant d'autres pays en développement. Merci. Merci. Merci, chers collègues. À vous, et j'espère avoir bien prononcé votre nom. Oui, je m'appelle Jutta Kroll, je représente le Centre allemand de protection de l'enfance sur Internet et la Fondation des possibilités numériques en Allemagne. Je suis également membre fondatrice de la coalition dynamique sur les enfants et la sécurité sur Internet qui a vu le jour voici 9 ans à Rio au Brésil. Lors du dernier FGI, ces informations vous ont été présentées. Un internaute sur 3 a moins de 18 ans. Et pour ce qui concerne les pays en développement, c'est un internaute sur 2 qui a moins de 18 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donc souhaité parler
pour demander que ces jeunes participent davantage aux travaux du forum et qu'ils soient aussi beaucoup mieux protégés sur Internet. Les mineurs de moins de 18 ans, puisque c'est de cette façon-là qu'ils sont qualifiés dans la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, doivent être protégés. Il ne faut pas que leurs droits tels qu'énoncés dans cette Charte des Nations Unies soient violés, comme par exemple l'article 12 ou encore l'article 17. Internet, comme vous le savez, peut jouer un rôle très important et veiller à ce que les droits des enfants soient protégés. Et les enfants doivent également être protégés de tous ces risques auxquels ils s'exposent lorsqu'ils se rendent sur Internet et être protégé de ces contenus dangereux. Dans le dernier forum, mais dans l'édition précédente également, j'ai pu constater qu'il est assez difficile pour les organisations de jeunes de justifier qu'elles se rendent au forum, car bien souvent les questions qui les importent n'apparaissent pas en tant que telles dans le programme et dans l'ordre du jour. Donc, puisque vous souhaitez encourager la participation des jeunes, il faudrait aussi que les thèmes qui les intéressent soient inscrits au programme de travail du FGI. Il faudrait que dans le programme de travail, ces questions apparaissent, mais qu'elles soient également évoquées lors des sessions principales. Merci. Merci, merci beaucoup. La parole est à présent à Makan. Merci, merci beaucoup Madame la Présidente et bon après-midi à tous. Je suis Makan Frey, je représente le secrétariat du FGI Afrique, accueilli par la Commission économique pour l'Afrique près de l'Union africaine. Toutes mes félicitations, Madame la Présidente, et merci également au Mexique d'avoir accepté d'accueillir la prochaine édition du Forum sur ces terres. Nous souhaiterions également féliciter et remercier le secrétariat du Forum, et en particulier Chengetai du DESA, de l'excellent appui dont bénéficient les membres du MAC. Le FGI africain a vu le jour après la réunion de Nairobi et depuis lors, nous nous réunissons tous les ans et participons régulièrement aux réunions du MAG. Cette année, le FGI mondial a été un véritable succès pour ce qui concerne la filière réservée aux FGI nationaux et régionaux. Chaque année, vous avez organisé des réunions pour les FGI nationaux et régionaux, mais cette année, grâce au format qui a été retenu, on a vraiment pu discuter de toutes ces questions quant au fond et au plus haut niveau. Je souhaiterais à présent en venir aux ODD, si vous me le permettez, et en particulier à ces objectifs qui traitent de l'autonomisation et du fait de lutter contre le fossé numérique. Dans plusieurs documents, l'on rappelle l'existence d'un véritable fossé numérique entre hommes et femmes, que ceci est lié au fossé qui existe entre hommes et femmes en général, avec un objectif qui demande que d'emblée des mesures soient prises pour que combler ce fossé numérique et permettre surtout, par le biais de l'éducation des femmes et des fillettes, une plus grande participation de ces dernières au TIC en tant qu'utilisatrices, auteurs de contenu, employeurs et sources d'innovation. Je souhaiterais faire fond sur cette déclaration que je tire de la déclaration finale du cadre dont l'Union africaine s'est dotée pour 2063 et qui rappelle l'importance de la participation, de l'inclusion et de l'autonomisation des femmes. À cet égard, je souhaiterais également vous informer de ce que cette année, l'on a utiliser la Journée internationale de la femme pour vraiment faire passer le message de cette autonomisation et nous allons nous assurer de ce que le FGI africain de cette année accorde une place très importante aux femmes. Nous discutons pour le moment des différents sous-thèmes dont nous souhaiterions traiter et il y a à l'heure actuelle les thèmes suivants: autonomiser les femmes grâce à la transformation numérique en Afrique, renforcer la participation des pays africains au FGI, parvenir à un équilibre entre les sexes et bâtir un modèle véritablement participatif pour les parties prenantes, etc. Donc, nous réfléchissons pour le moment à ces différents thèmes,
mais nous pensons que la tendance marquant nos échanges nous permet de dire que vraiment l'autonomisation des femmes sera le thème principal de nos discussions pour qu'elles puissent elles aussi tirer parti de l'édification de ces sociétés du savoir et de l'information. Merci. Merci, merci Mikan. La parole est à Marilyn. Merci Madame la Présidente, je suis Marilyn Kay et je souhaiterais rebondir sur les commentaires qui ont été faits plutôt par Virat Bhatia en réaction au travail relatif aux FGI nationaux et régionaux et à leur montée en puissance. Alors je ne me rappelle plus très bien qui, mais... il y a également cette personne qui travaille sur les FGI nationaux et régionaux et qui porte en même temps la casquette de modérateur à distance. Et d'ailleurs, je souhaiterais vous faire part de certaines informations que j'afficherai ensuite sur la partie du site consacrée à nos conclusions. Les FGI nationaux et régionaux ont tenu des sessions de fond à l'occasion de chacune des éditions du forum et qui ont été très différentes d'un forum à l'autre. Nous avons réalisé une étude voici 2 ans et l'année dernière, en amont de la réunion au Brésil, nous avons procédé à une autre étude avec l'aide du secrétariat qui, elle, a été publiée. Au cours des sessions de fond, les coordonnateurs ont formulé des recommandations très concrètes pour améliorer le modus operandi des réunions qui existent, que nous pouvons télécharger sur Internet, mais nombre d'entre vous se rendront compte que leurs commentaires, lorsque vous demandez à ce que les FGI nationaux et régionaux travaillent de manière beaucoup plus ciblée, eh bien vous verrez dans ces recommandations formulées par les coordinations à partir d'une expérience réelle qu'ils expliquent eux ce dont ils ont besoin pour pouvoir assumer et s'acquitter de leurs responsabilités et missions et pour pouvoir augmenter le nombre de FGI nationaux. Parmi ces recommandations très concrètes que nous avons entérinées, il y a le fait de doubler le nombre des FGI nationaux d'ici à 2018. Et on passerait donc de quelque 35 à 70 FGI nationaux. Ils n'ont pas demandé à ce que l'on double le nombre de régions mondiales, puisque on se heurte là à certaines limites, mais voilà ce que je souhaitais signaler. Nous venons tout juste de procéder à une petite étude avec l'aide d'Agnès, demandant l'avis des personnes que nous avons interrogées à propos des thèmes et des enjeux. Et je vais vous en parler de mémoire. J'espère donc que Anya téléchargera tout cela sur le site et l'affichera. Mais nous avons donc donné 6 à 7 choix aux personnes que nous avons interrogées. Et parmi les choix, nous avons inclus... Can we manage the line differently, please? We also included 2 topics that are related to the SDGs. I think I'm being invited for lunch tomorrow. The 2 of the topics we asked them about were how are they going to address the SDGs. One of the things I think we're seeing is at the national and regional. Note de l'interprète, tant que le problème technique ne sera pas réglé, il ne pourra pas y avoir d'interprétation. The importance of the SDGs into the message that will resonate to their community. One of the things. Chaque FGI est différente, et les régions sont également différentes les unes des autres, mais elles ont aussi des points communs. On s'est rendu compte qu'en leur demandant, les invitant à faire des commentaires volontaires sur la manière de brancher le milliard des AG suivants, eh bien, on a reçu des commentaires. On leur a demandé de réfléchir à la possibilité d'avoir une session dans le cadre de l'examen OSS plus 10, et ça a été pris en compte largement, mais évidemment c'était sur une base d'invitation. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir à la possibilité d'avoir une session pour les FGI nationales et régionales pour voir de
quelle manière ils s'insèrent dans la gouvernance de l'Internet. Alors expliquer le contenu du document de résultat. Certaines de ces FGI sont frais émoulues, récemment créées, et ce serait bien que l'on réfléchisse à la manière de les intégrer dans le processus. Honnêtement, je ne crois pas que les membres du MAG doivent consacrer leur temps à évaluer où l'on en est au niveau des améliorations. C'est le travail du secrétariat. Ce que nous devons, c'est nous engager à inviter les coordonnateurs nationaux, régionaux à multiplier par deux le nombre de participants. Et notamment mettre l'accent sur les parties prenantes des pays en développement et leur participation au FGI. Merci, dit la présidente. Cheryl, vous avez la parole. Merci. J'aimerais rebondir sur un commentaire de Hassam tout à l'heure qui a parlé de réfléchir à ce processus comme un processus global qui porte sur 10 ans. To how do we engage some of the countries that have never participated before? Il faut voir aussi comment nous dialoguons avec des gens qui n'ont jamais participé. Et j'aurais quelques idées à ce sujet. Je crois que l'idée d'un site web du pays hôte, même s'il arrive tard, est une bonne manière d'intervenir. Mais si le site web n'est pas encore prêt, on pourrait peut-être publier un bref, un document, une vidéo par exemple, qui s'adresse au public en général, mais qui nous permet de tirer parti de l'élan qui a été suscité. Le programme pour la jeunesse a été très largement soutenu. Alors on pourrait peut-être prioriser la jeunesse des pays où il n'y a jamais eu de participants pour permettre une participation. Il faudrait peut-être chercher le moyen de faire participer ces gens, par exemple par le biais d'ateliers. La diversité est essentielle dans le programme jeunesse et nous devons la maintenir pour assurer le succès à long terme. Chaque partie prenante individuelle peut essayer de garder cela à l'esprit pour obtenir et maintenir cet enthousiasme et cet élan jusqu'au moment de la réunion de cette année. Merci. Cécile, vous avez la parole. Thank you, Merci, Madame la Présidente. Pour ce qui est des ODD, j'aimerais d'abord vous féliciter, vous et le UNDESA, pour le travail réalisé. Je constate qu'il y a beaucoup à faire pour ce qui regarde l'Afrique, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre des résultats du WSIS. Si on essaie de faire le lien avec les ODD, il y a un aspect qui serait pertinent, à savoir l'organisation de la formation de manière à ce qu'elle puisse être digérée ou profitable à une population plus large. Ici, dans cette salle, les participants sont spécialistes, en tout cas des gens largement formés, mais lorsqu'il s'agit de parvenir aux bases, il faut organiser cette information de manière à ce que les gens puissent la comprendre. C'est pour cela que j'applaudis à l'initiative de Diplo. Ça permet à beaucoup de gens d'accéder. Because it is organized in a way that webex.co.uk. Sorry. So the Donc l'information est organisée et c'est très utile.
Dans notre site web, nous avons essayé de rassembler tous les FGI nationaux et régionaux, voire africains, pour 2015. Et nous les avons publiés sur le site web. Donc, sur notre site web, vous pouvez voir tous les FGI nationaux. Serait-il possible d'avoir une banque de données similaire à cela? Donc, le WSIS pourrait réaliser une base de données pour l'ensemble de l'Afrique. Et ce serait une excellente manière de contribuer et voire d'améliorer le travail du MAG. Il y a un problème de mise en œuvre du WSIS et je crois que l'une des clés de la solution, c'est l'échange d'informations. Et pour cela, il faut que l'on parte de la base des FGI nationales. Il faut que nous cherchions des partenaires au niveau local. Il faut que nous construisions les FGI locales et nationales. Merci, Cissé. À la fin de l'année passée, le secrétariat a ajouté un expert en technologie de l'information, c'est Louise qui est ici. Donc, nous avons essayé de donner suite à quelques-unes des demandes à propos de la présence sur le web, sur les sites web. Juan, vous avez la parole. Thank you. Merci. Comme c'est la première fois que je prends la parole, je vais m'identifier. Je suis Juan Fernandez. Je travaille pour le gouvernement de Cuba. Bien sûr, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du MAG. C'est ma deuxième année au sein du MAG. Je félicite tout particulièrement, je souhaite une bienvenue toute particulière à notre nouvelle présidente. J'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour, en profitant que le représentant du pays hôte est ici, parce qu'il y a d'autres questions que nous aborderons demain lorsqu'on parlera des thèmes, etc. Mais vu ce qu'ont dit Marilyn et Madame Kate, j'aimerais rappeler qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle grande manifestation sur l'Internet. Les manifestations sur Internet, il y en a beaucoup, qui sont des vitrines de bonnes pratiques, de pratiques optimales, etc. Il y en a tout le temps, partout dans le monde. Par exemple, à Cuba, nous en avons une qui se tient tous les deux ans, qui vient d'avoir lieu d'ailleurs il y a deux semaines. Nous sommes ici dans un dialogue de politique. Il faut le rappeler, parce que l'une des choses qui peut encourager la participation, c'est les questions qui y sont débattues. Parlons par exemple des droits de l'enfant. Alors évidemment, l'idée, l'objectif, c'est le consensus. Mais même si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à ce consensus, nous devons chercher à nous écouter les uns les autres, à rapprocher des positions. Et les questions qui sont les personnes qui sont intéressées par ces questions, eh bien, seront attirées par ce type de réunion. Et je crois qu'en tant que MAG, nous devons orienter le processus. Comment? En choisissant les bons domaines. On en parlera demain, parce que nous pouvons évidemment ne rien décider pour l'instant et orienter le processus au moment de la sélection des ateliers, ou nous pouvons prendre une décision en amont. Mais nous devons orienter le dialogue à partir de la diversité régionale, culturelle, nationale. C'est pour cela que chaque FGI doit être différente. D'abord parce qu'elle se déroule dans un autre pays, dans un endroit différent. Et s'il y a une question importante dans le dialogue de politique, ce sont les concepts. Les concepts et les orientations. C'est pour cela que je m'adresse aux pays
hôte et au secrétariat sans doute. Nous avons l'ECLAC, la Commission économique pour les, l'Amérique latine et les Caraïbes, qui s'est penchée sur quelques-uns des concepts les plus importants de l'économie contemporaine. À Jean Pessoa, il y avait Raoul Katz, qui était l'un des grands spécialistes de ce domaine, qui a beaucoup travaillé pour l'ECLAC, mais ce n'était pas le seul d'ailleurs. C'est pourquoi je suggère que le pays hôte s'inspire de cela, pour, en tout cas pour quelques-unes des réunions. Parler avec les claques pour peut-être encourager la participation, pour éventuellement faire participer certains de ces experts au processus de planification de l'une ou de plusieurs séances. Cela pourrait sans doute encourager le dialogue sur les questions de politique. Quant à la manière concrète d'agir pour le MAG, je pense qu'il vaut mieux y revenir demain lorsqu'on parlera des points à l'ordre du jour de la session. Merci. Merci Juan. Giovanni a la parole. Merci, Giovanni Colvelli. Quelques réflexions à propos du débat et quelques idées sur la manière de faire le lien entre les débats sur la gouvernance d'Internet et les ODD. Dans le débat sur l'ODD, on a dit que lorsqu'on parle, par exemple, de pauvreté et d'éducation et d'autres ODD, il ne fallait pas travailler en circuit fermé. Les résultats ne sont pas idoines. Alors, pour ce qui est de l'Internet, c'est un ODD qui touche, qui a une incidence sur tous les autres ODD. Mais il sera très difficile de sortir de ces circuits fermés. Dans la pratique, ce qu'il faut faire, c'est expliquer aux communautés locales pourquoi l'Internet est important pour leur travail dans le domaine de l'agriculture, de la santé, pour lutter contre la pauvreté, qui sont des ODD très spécifiques. Alors, il n'y a pas de baguette magique. La solution, c'est le dialogue. Il faut trouver des moyens de faire tomber les frontières. Trouver le moyen d'aller voir les communautés, de leur expliquer que lorsqu'ils parlent d'agriculture, il y a aussi disons un volet TIC. Nous avons une expérience qui est en cours entre le Brésil et l'Indonésie, mais qui existe aussi, je crois, ailleurs. C'est la mise en place de hubs régionaux qui se réunissent une fois par mois, le dernier lundi du mois, à 11h GMT. Ils se réunissent pour parler de ces questions, la manière de mettre en œuvre la GI et la manière de faire des liens entre les différents domaines de politique. La manière de résoudre ce problème des circuits fermés, c'est de faire le travail sur le terrain, communauté par communauté, pour aborder simplement des questions concrètes sur le terrain. Omar a parlé du nombre de participants tout à l'heure. Nous avons eu des statistiques jusqu'au FGI 2011. Nous avons analysé tous les procès-verbaux. Il y a eu 56 pays, pas seulement les États, n'est-ce pas, la société civile, le secteur privé. Et c'est passé de 56 pays à peu près une centaine de représentants de pays qui ont participé lors d'une réunion parallèle ou lors d'une réunion officielle. Bon, évidemment, le but, ce n'est pas d'avoir plus de gens, c'est surtout d'avoir plus de contributions de fonds
qui porte sur les problèmes à résoudre. Et là, on en arrive à l'idée de du renforcement de capacités institutionnelles. Je crois que l'ISOC, le GI, l'école d'été, a fait un bon travail en la matière. Il faut former des gens pour participer aux réunions sur le GI. Mais nous avons, pour l'instant, très peu œuvré en la matière. Nous devons renforcer notre travail au sein des ministères, de la société civile et même du secteur économique, industriel. Merci. Thank you, Jovan. Merci, Jovan. L'orateur suivant. Excusez-moi à l'avance pour ma prononciation. Modiano. Thank you. Merci. J'aimerais avant tout vous féliciter en tant que nouvelle présidente du MAG. Ensuite, j'aimerais remercier le Brésil en tant que pays hôte de la dernière réunion du FGI. Et enfin, félicitations au Mexique en tant que prochain pays hôte. J'aimerais faire une proposition pour la réunion de demain, à savoir pour la sélection des sujets, sujets principaux et sujets des ateliers. Après avoir abordé les sujets principaux, on choisit les thèmes des ateliers. Or, les titres pour ces ateliers sont très nombreux. Je propose... que nous les examinions et que lorsque nous constatons que deux ou trois sujets sont très proches les uns des autres, eh bien, que l'on propose aux intéressés, c'est-à-dire aux demandeurs d'organisation d'un atelier, de se mettre d'accord pour le faire conjointement. Merci. Virat a la parole. Je voulais faire une brève remarque. Lors du FGI d'Istanbul en 2014, il y a eu 144 pays représentés, ce qui était, je crois, le record. Donc, ce sont des chiffres qui sont très encourageants. 144 pays, c'est à peu près trois quarts des membres des Nations Unies. Pour ce qui est des ODD, je crois que l'une des manières de parvenir à ce dialogue de politique avec la participation des États est de susciter l'intérêt des uns et des autres. C'est de mener à bien les consultations menées par Marilyn au Brésil avec des résultats excellents. Si l'on pouvait utiliser l'année ou les six mois qui nous restent pour lancer un dialogue et le maintenir avec les responsables des FGI nationaux, le gouvernement, les autres parties prenantes, pour qu'ils fassent des exposés sur la manière dont ils pensent que l'utilisation de l'ODD est liée au développement. J'ai trouvé la lettre qui a été envoyée le 27 juillet.
l'une des demandes qui était faite par le secrétaire général adjoint était que lui-même et les États membres n'avaient pas apprécié correctement le rôle que peut-être peut jouer l'Internet dans la réalisation des ODD. Donc, il y a une approche qui doit être mise en œuvre au niveau national, et je crois que nous devons essayer de galvaniser ces efforts. C'est-à-dire, nous devons permettre aux FGI nationales de faire leur présentation. Il ne faut pas leur imposer des choses ou des règles. Évidemment, dans le processus, on peut échanger, discuter à propos de renforcement des capacités, mais nous devons aussi être un porte-voix. Peut-être pourrions-nous inviter les participants multipartites à expliquer de quelle manière l'Internet peut servir à la réalisation des ODD. Ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 3 heures. Mais cela nous donnerait, en tant que communauté, une cinquantaine de points de vue, voire 70 ou 80 points de vue sur ce qui se fait actuellement. Et on pourrait peut-être même préparer un document de 4 ou 5 pages pour distribuer et constituer la base d'un débat. Je parle de manière pratique d'exploiter, d'utiliser notre plateforme pour les inviter à venir, à écouter, mais aussi à nous dire ce qu'ils pensent, plutôt que de leur dire ce qu'ils doivent faire. Oui, merci Madame la Présidente. Nous avons un commentaire que je vais vous lire. Ensuite, nous aurons une intervention. Chitalax Team, débat sur la manière de faire participer les FGI. Une campagne dans les réseaux sociaux, un site web pour tous les FGI nationaux et régionaux, continuer les conversations avec les réseaux sociaux. Ça serait très utile pour les gens qui fréquentent ces réseaux, surtout dans le sud-est asiatique. Hello, can you hear me? Yes. Hi. Thank you, Madam Chair. This is Chris Buckridge from the RACNCC. I'd like to start by congratulating all of the new members to the MAG. We're sure that you're all going to do a fine job, and it's a very important job in this context. One thing I wanted to note, though, is that the recent announcement of the new MAG prompted some discussion, particularly in the technical community, about the processes of selection and nomination for these MAG members. I think this is an issue that's going to be discussed in tomorrow's MAG discussion, but we wanted to note it here in the open consultation as well. And the RACNCC particularly is quite concerned at the lack of transparency in this process. It wasn't clear to us who nominated some of the representatives that were appointed to the MAG, or how that selection process was conducted. We understand this is a really complex process. An earlier speaker noted the strength of developing country participation in the MAG this time around, and that's very positive, obviously. And obviously, there's also a huge challenge for the UN in selecting appropriate representatives from a global stakeholder group. But all of these points, I think, highlight that transparency is really vital in ensuring that this process is fair and legitimate. So, thank you. Thank you, Chris. Merci, Chris. Izumi a la parole. Bon, comme je viens de la communauté technique, je ne puis que me faire l'écho de ce que vient de dire Chris, mais je voulais intervenir à propos d'autre chose. En tant que membre du MAG, je participe aussi, ou plutôt au-delà de ma qualité de membre du MAG, je travaille aussi
dans le cadre du gouvernement japonais. J'aime bien cette idée d'encourager la participation des FGI nationaux pour obtenir davantage de contributions des PMA. Mais je dois dire que les PMA ne sont pas les seuls qui participent peu. Il y a aussi des pays qui n'ont pas une grande culture de débats internationaux. Par exemple, le Japon est loin d'être un PMA, mais nous n'avons guère participé au processus, ce qui pose un problème. Alors, comment peut-on améliorer les choses d'un point de vue pratique à partir de cette année, par exemple? Et à partir de mon expérience et de mes observations, je m'aperçois qu'il m'a fallu à peu près 3 ans pour sensibiliser la communauté japonaise à propos de l'importance du processus du FGI. Et ce n'est que cette année que nous avons vraiment lancé la machine. Donc c'est un processus à long terme. Il ne suffit pas de dire les choses lors d'une réunion. Il faut prendre un peu de recul, expliquer. C'est important dans le contexte dans un contexte global, et c'est important dans chacune des économies, dans chacun des pays, de manière différente en fonction des contextes. Mais il faut expliquer que c'est important et pourquoi c'est important pour chaque pays. J'ai bien aimé l'idée de Giovanni à propos d'avoir une sorte de réunion mensuelle. Pour les FGI nationaux, pour les leaders économiques. Peut-être qu'après chaque réunion du MAG, ou après chaque décision qui est prise, on pourrait donner une idée globale de ce qui s'est passé, des enjeux et des contributions qui seraient utiles. Et ensuite, encourager des leaders, des gens du FGI national ou d'autres organisations importantes ou parties prenantes, on peut les inviter à cette espèce de webinaire, et pour qu'ils nous donnent leur perspective, leur point de vue. Et on pourrait prendre en considération la proposition de Virat que dans ces débats, on donne le point de vue de chacun dans son propre contexte, de sa propre économie. Merci, Jumi. Monsieur, là au fond, vous avez la parole, si vous pouvez vous présenter. Et ensuite, Sigun. Oui, allez-y. Sigun d'abord. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais... intervenir à propos du besoin d'encourager les initiatives nationales. Je représente une communauté d'affaires. Je suis nigérian. Et je suis surpris de voir que le Nigeria n'est plus membre du MAG. Pourquoi suis-je surpris? Parce que le Nigeria est un leader régional dans la zone d'Afrique de l'Ouest. C'est le pays qui a le forum de gouvernement Internet le plus vivace au niveau local. Le pays a parrainé des forums régionaux, notamment dans l'Afrique occidentale. Donc si un tel pays n'est pas encouragé à faire partie du MAG, où il pourrait faire part de ses aspirations, de ses idées, eh bien, que faisons-nous ici? Il s'agirait d'encourager, de faciliter une initiative nationale et régionale. On réfléchit au besoin d'accueillir peut-être un FGI en 2018 ou 2019. Lorsque l'on a annoncé l'initiative LECA, on a été mécontent de constater que la proposition du Nigeria n'avait même pas été prise en compte, malgré les investissements consentis par le pays pour expliquer que le cadre de gouvernance d'Internet est bien établi en Afrique occidentale.
Il faut tenir compte de ce genre de problème. Si vous n'incluez pas un leader régional au MAG, qui va en faire partie? Merci. Wyman, would you like to respond to that specific question? Je vous demanderai de bien vouloir répondre. Oui, je souhaiterais réagir aux préoccupations d'ordre général que j'ai pu entendre jusque-là. Pour ce qui concerne le processus de sélection du MAG, il n'a pas été différent cette année des années qui ont précédé. Comme vous le savez, les membres du MAG sont aujourd'hui au nombre de 55. La pratique actuelle est d'en renouveler un tiers. Pour le MAG du 2016, 22 postes sont donc devenus vacants. Nous avons obtenu un total de 182 nominations, dont certains faisaient d'ailleurs double emploi. Donc c'est un processus assez complexe puisque nous devons choisir la personne ou l'entité qui viendra pourvoir un poste devenu vacant. Et comme vous l'avez dit, il y a le principe de la répartition géographique qu'il faut respecter, et ce pour l'ensemble des parties prenantes et des groupes de parties prenantes. Donc nous essayons de respecter un certain équilibre entre les différents groupes de parties prenantes et cette année, mais aussi les années qui ont précédé. Ce que nous souhaitons précédent, c'est augmenter le nombre des pays en développement, et on vous a fait part, je crois, de nos statistiques en la matière. Il y a ensuite le principe de l'égalité entre hommes et femmes que nous essayons de respecter, et de répartition entre groupes de parties prenantes. Ces groupes de parties prenantes et leur répartition n'est pas chose complexe à comprendre. Qu'est-ce que la représentation des... en quoi consistent ces groupes de parties prenantes? Qu'est-ce que cela signifie que de faire partie de la communauté technique par rapport à la société civile ou encore secteur privé? Et il y a ensuite des groupes qui, eux, sont intersectoriels et qui portent plusieurs casquettes. Donc, voici certaines des difficultés auxquelles nous sommes heurtés, mais je pense pouvoir vous dire au nom du département des affaires économiques et sociales que vos commentaires et remarques sont toujours les bienvenus. Nous admettons le fait que le système n'est pas parfait, y compris pour ce qui est de la composition. Nous avons pour le moment 55 membres au MAG. Est-ce que l'on doit augmenter le nombre des participants, le diminuer? Est-ce que l'on doit réduire le mandat à qui est de 3 ans à 2 ans pour donner davantage de chances à d'autres de pourvoir un de ces sièges? Voilà toutes les questions auxquelles il faut réfléchir, et nous vous invitons très certainement à nous faire part de leur point de vue. Merci, merci Wyman. La parole est à Chengeta qui lui aussi a demandé d'intervenir. Oui, je souhaiterais peut-être un peu compléter pour ce qui est du renouvellement du MAG. On en parlera plus en détail demain. Mais nous avons donc ce que nous appelons un tableau de bord du MAG. On essaye, sans trop insister, de voir ce qu'il en est de la présence de chaque membre. Est-ce qu'ils participent à l'orientation des ateliers, etc. Donc, on essaie un peu de retracer leur performance. Vous verrez qu'il y a des membres du MAG qui n'y travaillent que pour un an plutôt que pour les 3 ans proposés au départ, car finalement, ils ne participent à aucune des autres activités. Donc, mais ça, c'est un élément que je soumettrai à nouveau à votre attention demain lorsque nous parlerons des responsabilités afférentes aux membres du MAG. Très bien, nous allons reprendre la liste des orateurs dans quelques instants, mais Wyman vous a invité à participer au débat. Je sais que l'on a posé de nombreuses questions, qu'il y a eu nombreuses questions et commentaires à propos des listes, non seulement pour ce qui concerne la désignation des membres du MAG, mais aussi de la présidence du groupe consultatif. Et je pense qu'il serait le moment est venu, finalement, en tant que communauté, de discuter avec le département des affaires économiques et sociales des questions que l'on pourrait avoir, de nos préoccupations. Il y a de toute évidence de nombreux processus que l'on peut améliorer, des processus auxquels nous participons au quotidien, au fil des ans, et je pense que, en effet, il serait bon de commencer à discuter de toutes ces questions. Seul appel à la prudence, il faut que l'on se rappelle que l'on a un ordre du jour à respecter et que l'on doit réserver un certain temps à examiner chaque question, et qu'il s'agisse là peut-être d'une question qui gagnerait à ce que l'on y consacre énormément de temps et de réflexion, un peu plus que l'on en a aujourd'hui. Mais je suis tout de même très ouverte à la discussion, et je suis tout à fait d'accord pour que vous répondiez aux questions ou fassiez part de vos commentaires si vous en avez. Nous passons à présent au fond de la salle. Laura, dans le fond, ou peut-être monsieur d'abord. Oui, je suis Jovan, je viens de Macédoine.
Avant de prendre la parole, j'aurais peut-être une petite blague aux États-Unis. Comme vous le savez, chaque prise de parole commence par une petite blague. Ma blague est la suivante. C'est un homme qui est saoul, qui cherche ses clés dans la rue. Une personne vient vers lui et lui dit « Mais qu'est-ce que tu cherches ?» Il répond « Ma clé, mais où l'avez-vous perdu, votre clé ?»« Bien, quelque part par là, mais pourquoi vous la cherchez ici ?»« Bien, parce que c'est ici que se trouve le lampadaire, l'éclairage public. » Et ce qui vaut pour un ivrogne à la recherche de ses clés vaut peut-être pour d'autres personnes qui se trouveraient dans une rue obscure. Elles vont se réunir autour de l'éclairage public pour pouvoir discuter. Et c'est sans doute ce qui se passe pour le FGI. C'est sans doute le cas de ces 10 dernières années. Ce au quoi il faudra remédier pour les 10 années à venir. Il faut savoir exactement sur quelle question braquer le projecteur, braquer la lumière, voir quel type de dialogue politique ou de discussion que l'on doit avoir et sur lesquels l'on doit se concentrer et investir nos efforts. J'ai entendu dire quelque chose de particulièrement intéressant, à savoir que l'on doit accroître la participation. Et en effet, c'est un élément important de ce qu'il nous faut faire. Mais il y a une limite à la quantité d'informations que l'on peut rassembler dans le document que je vous ai fait parvenir par courrier électronique et qui est évoqué ici. Cela a été mentionné. On doit beaucoup réfléchir au conditionnement des résultats que produit le FGI, la diffusion de ces résultats parmi toutes nos communautés. Et ensuite, de ces communautés, qu'elles nous disent quels sont les problèmes auxquels elles se heurtent et voir quelles sont les institutions qui sont là pour remédier à ces problèmes et faire en sorte que l'on en discute sous forme d'échange, de débat, de possibilités au FGI. Car c'est cela que fait le mieux finalement le FGI. Et au fil des ans, l'on s'est inquiété de ce que le FGI ne fasse pas doublon vis-à-vis de ce que font d'autres communautés qui ont déjà si bien travaillé au fil des ans. Et si certes, c'est là une préoccupation qui s'est surtout adressé au gouvernement. Je pense que dans cette salle même, il n'y a personne, enfin j'en fais le pari, aucun représentant gouvernemental, personne finalement qui ne souhaiterait faire doublon vis-à-vis d'organisations qui obtiennent déjà de très bons résultats. Mais le FGI peut jouer un rôle essentiel, il peut canaliser l'information, il peut la diffuser, il peut la conditionner et ensuite la diffuser. Et en amont de ce qui va se passer au Mexique, je pense qu'il serait bon de réfléchir à ce qui nous attend pour les 10 années à venir. Et il faudrait consacrer au moins 20 à 15% de notre temps, non seulement à réfléchir à notre objectif pour le Mexique, mais notre objectif à beaucoup plus long terme sur ce que nous attendons du FGI et la manière dont nous souhaiterions l'améliorer. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas être là ce matin. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le code Wi-Fi? Merci, merci Jovan. Laura, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, désolé, je pensais l'avoir allumé. Je suis Laura Etchison, je viens de Nominate. Je suis un membre récent du MAG et je représente la communauté technique. Et je suis très heureuse d'avoir été désignée. Grand merci. Je souhaiterais vous parler de l'engagement avec les FGF nationaux et régionaux. Puisque j'aurai un commentaire à faire à ce sujet. Je participe depuis peu au processus et il me semble que l'on a quelques problèmes de communication du point de vue des processus et des calendriers. Je n'ai entendu parler de ma désignation que dans un article de journal avant d'en être informée, mais j'ai tout de même été très heureuse d'avoir été désignée. Pour revenir à la question de l'engagement des régions et des pays, j'admets que de nombreuses mesures ont déjà été prises en ce sens, que l'on a obtenu quelques résultats. Je souhaiterais mettre en exergue le travail réalisé par Marilyn, coordonné par Anya, à propos des enquêtes menées à propos des FGI nationaux régionaux, à qui l'on a demandé de suggérer des thèmes. C'est une façon en effet de s'assurer que ces thèmes remontent des nations, des régions vers le FGI global, mondial. J'aurais une suggestion pratique à vous faire. Il y a quelques années, nous avions présenté un exposé au nom du Royaume-Uni. J'avais proposé un thème qui avait été abordé dans les limites du Royaume-Uni à propos de la cybersécurité. Et lorsque nous avons nous avons essayé de répondre aux critères applicables aux ateliers pour ce qui est de la représentation mondiale et c'est là que nous nous sommes heurtés à certaines difficultés car comment savoir qui est expert en cybersécurité en Afrique ou en Asie. Donc il serait peut-être bon de faire fond sur les ressources dont on dispose.
sur ce qui figure déjà sur le site internet du FGI, et l'on pourrait peut-être établir un lien avec les FGI nationaux et régionaux pour qu'on sache où se trouvent quels experts et de quel thème ils traitent. Merci. Merci, merci beaucoup. Participants en ligne. Oui, deux commentaires. Civil Society Coordination Group. I would like to strongly. Je souhaiterais me faire le coup de ce qui a été dit par Chris à propos des processus de sélection du MAG et de la transparence, et je me réjouis que l'on en discute demain. J'espère que l'on réservera suffisamment de temps pour ce faire. Deuxième commentaire, j'ai au cours de ces trois dernières années constaté qu'il se pouvait que la vie collectif de fusion des propositions faites au titre des ateliers pèse ou se fasse donc au détriment de l'examen d'un certain nombre de thèmes qui sont victimes de préjugés. Il y a peut-être un problème de perception auquel il faudrait être remédié. Peut-être que davantage de transparence dans les décisions permettrait d'éviter ce type de préjugés. Merci. This is Renata Kinahibiru from the two new MAG member representing the society, not only the CG. I am grateful to speak to this audience. I would also like to congratulate the new chair and the new MAG members. And I would ask of all those involved in the witness process of New York and the next meeting in May in Geneva, if we could address more the WISP sections and engage them with the IGF process, the way I see it, this is all a continuum in this. Thank you, Renata, and thank you, Anya. Next. Merci, merci beaucoup, Cheryl. Vous avez la parole. Thank you, Madam Chair. I just wanted to go back briefly to. J'aimerais revenir à ce qu'était, je crois, la proposition de Virat, le fait d'établir un lien plus étroit avec les ODD. Dans ce droit fil, je crois qu'il y a une autre composante importante et je ne sais pas très bien comment l'aborder sur le plan de la collecte des informations, mais il faudrait d'une certaine façon que l'on comprenne mieux ce qui préoccupe le plus les pays qui ne participent pas au FGI, quels sont les enjeux qui les intéressent le plus. J'ai le site internet sous les yeux. Alors, nous sommes vraiment un cercle d'initiés, je ne voulais pas vraiment le dire, mais nous vivons l'IGF au quotidien. J'ai essayé de mettre à la place d'une personne qui ne sait pas ce que nous faisons. Je me suis donc rendue sur notre site internet et voir un peu ce que j'en aurais pensé avec un point de vue très extérieur. Nous sommes très experts en la matière, mais où va tout l'argent que nous consacrons à cette question? Où va cette énergie que nous investissons? Tout cela est évident pour nous, mais peut-être devrions-nous travailler sur notre marketing, un peu mieux vendre ce que nous faisons. Je sais que le terme simple n'est pas toujours le meilleur terme à utiliser dans ce type de contexte, surtout pour des experts comme nous, mais essayons de voir quel est le message que l'on pourrait adresser aux médecins, aux enseignants, à toutes ces personnes qui sont à l'extérieur et qui sont des citoyens du monde, comment mieux conditionner, présenter toute cette information. Et enfin, pour ce qui concerne les gouvernements, il y a toute une série de ministères avec lesquels nous ne travaillons pas, ministère des Finances, ministère de la Santé, à qui l'on pourrait présenter une proposition qui les intéresse. On pourrait peut-être intégrer quelque chose aux événements du jour zéro qui rassemble toutes ces entités et leur permettre de dialoguer. On pourrait peut-être envisager de discuter des questions d'investissement lié à la notion de connectivité. Ce serait une question qui les intéresserait peut-être davantage. Voilà quelques idées que je souhaitais vous présenter. Bien, Christine. Christine a la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je suis Christine Amanti de la Commission européenne. J'aurais quelques remarques à vous faire à propos des résultats du SMSI. Donc, de l'examen décennal du SMSI et son document final adopté l'année dernière et vous faire part du point de vue de la Commission européenne à ce sujet. Mais de manière générale, et je me fais là aussi l'écho de ce qu'ont dit les orateurs qui m'ont précédé,
Le texte final a été reçu de manière très positive par la majorité des parties prenantes. C'est une bonne base sur laquelle organiser nos travaux et discuter de la gouvernance d'Internet au cours des 10 années à venir. Nous sommes bien conscients du fait que le texte admette l'importance de l'économie numérique, les rôles respectifs que peuvent jouer les secteurs publics et privés dans son essor, et il fait également le lien entre les TIC et les objectifs de développement durable, et on en a beaucoup parlé. On a aussi beaucoup parlé de la manière dont on peut traduire cette vision sous forme de réalité concrète et mettre en œuvre ce document par le biais du renforcement des capacités et du développement qui, de toute évidence, sont tous deux très importants. Mais dans le même temps, essayons aussi de voir ce qu'il en est des aspects d'économie numérique. Cette année a eu lieu le Forum économique mondial à Davos, comme chaque année, mais cette année, il était consacré à la 4e révolution industrielle. La Banque mondiale a publié un rapport au mois de janvier traitant de l'économie numérique. Il y a également le G7 qui va convoquer une réunion ministérielle consacrée au TIC, et le G20 qui se réunira en Chine et consacrera une réunion à l'économie numérique. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce serait aussi peut-être là un biais par lequel établir des passerelles avec d'autres secteurs. Et lorsque je parle de secteurs, je parle bien entendu à des secteurs d'activité économique tels que la santé ou l'agriculture. Enfin, tous ces secteurs qui sont directement touchés par les nouvelles technologies et vis-à-vis desquels on devrait peut-être établir des liens beaucoup plus étroits entre ce que font leurs initiatives et le FGI, et se rappeler ces discussions qui ont lieu au niveau international et essayer d'y faire parler de la gouvernance d'Internet. Donc ceci montre bien que les technologies sont omniprésentes et qu'elles touchent tous les aspects de nos vies quotidiennes et de nos économies. Et il y a également le dialogue européen sur la gouvernance d'Internet qui aura lieu à Bruxelles au mois de juin et qui a retenu parmi ses thèmes de discussion le fait d'épouser la révolution numérique, de faire sienne la révolution numérique pour rappeler tous ces changements qui sont en cours à l'heure actuelle et qui ne seront pas sans effet. Donc voilà en quoi consistait ma contribution au débat. Merci. Merci, merci beaucoup Christine. Salah, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je suis donc bien Salah. Micro. Merci, Madame la Présidente. Je souhaiterais moi aussi apporter ma contribution à ces échanges et me faire l'écho de certaines des remarques que j'ai pu entendre, en particulier pour ce qui concerne du lien entre les FGI nationaux et les FGI régionaux et le FGI global. Je pense que c'est Marie-Line qui en a parlé ce matin. J'aimerais également vous dire qu'avant de venir à Genève, j'ai pris l'attitude de lancer une enquête mensuelle auprès de l'Asie-Pacifique et j'ai envoyé plusieurs questions à différentes listes de diffusion, en particulier au sein de l'écosystème gouvernance Internet. En raison de délais très courts, je n'ai reçu que 25 réponses, mais, et c'est assez intéressant, nombre de ces réponses disait la chose suivante, mais à nouveau ça n'a là rien d'exhaustif, mais cela peut servir de baromètre. 56% ont déclaré avoir participé à une réunion du FGI, donc 36%, 64% n'y avoir jamais participé. Pour ce qui est d'avoir participé à un FGI régional Asie-Pacifique, 33,3% ont répondu 8, 58% non, et 23% ont dit n'avoir jamais entendu parler de l'existence d'un APR-IGF. 7,3% ont dit « je connais l'existence de cet APR-IGF, mais il est beaucoup trop coûteux pour moi d'y participer ». Nous avons également demandé si ces personnes considéraient que l'on traitait au sein de cet IGF des questions intéressées à notre région. 40% ont dit oui, 60% ont dit non. Et pour ce qui est des questions qui intéressent l'Asie-Pacifique, 72% ont dit oui et 23% ont dit non. Donc, compte tenu du peu de temps dont je dispose, je vais vous envoyer le lien par le biais de la liste de diffusion pour que vous puissiez vous-même consulter les résultats de cette enquête. Mais elle montre, cette enquête, que pour ce qui concerne la communauté Asie-Pacifique,
Pour les personnes ayant répondu, il semble qu'elles admettent l'importance du FGI, souhaitent l'utiliser, mais rencontrent des difficultés. Et donc, il est largement possible, en particulier pour les FGI régionaux, de davantage s'approprier les résultats et le travail de communication, en particulier à l'échelle de leur région. Et pour ce qui est de ce dont on a discuté jusque-là, il y a peut-être une chose à laquelle on pourrait réfléchir. Il faudrait renforcer les coalitions dynamiques existantes et utiliser ce vecteur pour renforcer, ce qui se fait d'ailleurs déjà, mais et diversifier les plateformes de connaissances thématiques qui sont liées aux ODD. Et je pense ici en particulier aux flux transversaux et à l'approche participative. Alors, je ne devrais même pas dire approche participative, car c'est quelque chose de fluide qui ne se fait pas sur un axe vertical. On est davantage à l'échelle d'un écosystème. Et il y a aussi tout ce travail de normalisation des résultats et rapports des coalitions dynamiques. Il faudrait faire le lien avec les travaux des FGI nationaux et régionaux. Et je souhaiterais également rappeler le commentaire qui a été fait plus tôt à propos du fait d'institutionnaliser le renforcement des capacités. Je puis vous dire, en partant de mon expérience personnelle et à l'échelle de la région Asie-Pacifique d'où je viens, qu'en 2014, nous avions organisé une plateforme pacifique. Qui traitait de la riposte ou encore de l'atténuation des catastrophes avec d'autres plateformes, plateforme Asie, plateforme Afrique, dans un effort de convergence. Et croyez-le ou non, mais j'ai rencontré énormément de difficultés, et ce même si il y avait là de nombreuses personnes qui travaillaient dans le domaine des TIC, mais peut-être davantage sur le plan des changements climatiques et de la riposte face aux catastrophes. J'ai rencontré énormément de difficultés à faire apparaître la notion de TIC dans le document final. Car pour ces personnes, en fait, elles avaient un point de vue assez différent du mien à propos des TIC. Donc, au sein de ma région, on a, pour ce qui concerne donc ce créneau bien particulier qui est la réaction face aux catastrophes, au naturel, l'impression que lorsqu'on parle de TIC, l'on ne parle finalement que d'une personne assise derrière un bureau, qu'elles ne servent qu'à cela, les TIC, à faire de la publicité et à vendre de la marchandise. Donc, il faudrait une stratégie beaucoup plus globale. C'est à cela que l'on devrait réfléchir, qui soit beaucoup plus englobante, qui ne travaille pas sur la base de silos, pour qu'il y ait davantage de fluidité dans nos échanges. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci. Thank you, Sala. We have... Merci beaucoup, Salah. Il y a encore 6 personnes qui demandent à intervenir et vous savez de qui il s'agit puisque vos plaquettes sont relevées. 7, 8, un 8e qui souhaite intervenir. Il y a aussi la participation en ligne et ensuite nous passerons au dernier point de l'ordre du jour prévu pour cet après-midi car certaines personnes ont demandé à pouvoir intervenir qui représentent d'autres organisations et nous souhaitons être sûrs d'avoir le temps de les entendre et ensuite de discuter comme il se doit de leurs interventions. Marcus, vous avez la parole. Merci Lynn. Marcus Kumar, je prends la parole en ma qualité de secrétaire de l'association d'appui au FGI. Comme de nombreuses personnes l'ont dit, les FGI nationaux et régionaux et initiatives y afférentes sont très importantes, raison pour laquelle j'ai souhaité intervenir à ce stade. L'association d'appui au FGI, et cela fait partie de sa raison d'être, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, aide. Last year, we supported 15 national IGF initiatives with a small contribution and 7 regional and sub-regional ones as well. The contributions are modest, but... Aide 15 FGI nationaux avec une petite contribution et 7 FGI régionaux et sous-régionaux. Ce sont des contributions modestes, mais dont l'objectif est d'inviter les participants. Note de l'interprète, l'interprétation ne reprendra que lorsqu'il n'y aura qu'un seul canal et non pas deux, comme c'est le cas pour le moment. The main IGF, through the IGF secretariat, it's very much in line what Marilyn referred to with the coordination efforts and the call the IGF secretariat is supporting, so that we have a minimum.
Donc, nous veillons à ce qu'il y ait un niveau minimum de cohérence en nous fondant sur un certain nombre de principes fondamentaux, donc qui sont ouverture, inclusivité, participation. Et nous espérons que ceci contribuera à un plus grand flux d'informations entre les initiatives nationales, régionales et le FGI mondial. Et nous espérons que les thèmes remonteront finalement la hiérarchie plutôt que d'être imposés par le FGI mondial aux FGI régionaux et nationaux. Je vous remercie. Thank you, Marcus. Izumi, you have the floor. Thank you, merci Marcus. Madame Izumi, oui, merci. Merci Madame la Présidente. Je souhaiterais vous parler du processus de sélection des membres du MAG. Je considère comme très utile les précisions qui ont été apportées par le Département des Affaires économiques et sociales à propos du processus suivi cette année. Donc, merci beaucoup. Je pense que la transparence est un élément clé, pas uniquement pour la sélection des membres du MAG, mais aussi pour l'avenir du forum. Donc, à propos des modalités, du lieu où se trouve le secrétariat ou toute autre décision essentielle à propos de l'organisation de notre forum. Et je pense que la réunion donc, physique, lorsque le forum se réunit, répond au principe de transparence, tout comme les réunions du MAG, et ceci ajoute à la crédibilité de nos discussions, de nos échanges. Il est donc important de veiller à cet élément de transparence à propos de tout élément d'organisation du forum. Et je pense que cette discussion, nous devons l'avoir en consultation ouverte pour que les non-membres du MAG puissent aussi participer à ces échanges, que cela ne soit pas exclusivement réservé aux membres du MAG et aux réunions MAG. Et je souhaiterais aussi rapidement rebondir sur le commentaire qui a été fait plus tôt, à savoir qu'aucun changement n'a été apporté au processus cette année par rapport aux années précédentes, ce que j'ai bien noté, ce que je comprends. Mais dans le même temps, j'observe tout de même que certaines questions se sont posées à propos de ces gens qui ont souhaité présenter leur candidature pour devenir membre du MAC cette année et qui se demandaient en quoi constituait la procédure. Et ce sont des questions qui m'ont été posées personnellement. Je pense qu'il faudrait davantage de clarté à ce sujet. J'attends avec intérêt que l'on en discute pour mieux mettre en œuvre ces améliorations. Une discussion que nous devrions avoir demain. Merci. Merci. Merci Izumi. Elisabeth, vous avez la parole. Merci, merci Madame la Présidente. Elisabeth Thomas-Renaud, je prends la parole au nom du secteur privé. Merci beaucoup à Izumi de ses commentaires portait justement sur une des remarques que je souhaitais faire. Tout d'abord, pour ce qui concerne la discussion que l'on a eue à propos de l'ordre du jour, une petite demande de précision. Je me félicite de l'invitation qui nous a été faite par notre collègue du département des affaires économiques et sociales qui nous a demandé à lui faire part de nos commentaires à propos de ce processus. Est-ce que c'est une question dont on va parler cet après-midi? Je n'ai pas bien compris. Ou est-ce qu'on aura la possibilité d'en discuter à un autre moment? Car je pense que cela mérite tout à fait que l'on y réfléchisse, que l'on y travaille, et je partage les préoccupations exprimées par la présidente du MAG, à savoir que l'on ne perde pas du temps alors que nous trouvons dans une situation un peu délicate. Donc je souhaiterais savoir quand exactement et au titre de quel point de l'ordre du jour on pourra discuter de ces questions. Et je serais aussi favorable à ce que nous a dit Izumi, à savoir qu'il faudrait davantage de transparence et de clarté pour ne pas créer d'attente à laquelle l'on ne puisse pas répondre. Je crois qu'il est important pour nous de renforcer tout ce que l'on fait dans notre action collective. J'ai passé en revue ce que m'ont dit mes collègues à propos de leurs expériences passées et j'ai l'impression que les processus MAG et FGI sont organisés un peu comme le système juridique anglais, avec la création de processus informels qui, au fil du temps, créent un ensemble de précédents et de normes, une forme de jurisprudence. Alors, c'est peut-être de cette façon-là que l'on procède. Si c'est le cas, il faut que ce soit clairement dit.
si on veut que les choses évoluent et changent, le dire également, et je serais tout à fait heureuse que l'on discute en toute franchise de cette question. J'aimerais également me faire l'écho d'une autre remarque d'Izumi, à savoir qu'il est préférable d'avoir ce type de discussion ouverte lorsque les portes sont ouvertes à toutes les communautés, plutôt que de se limiter au seul cercle des membres du MAG et qui déciderait ainsi et seul de leur sort. Je pense qu'une telle discussion devrait plutôt avoir lieu dans le cadre d'une discussion ouverte pour pouvoir compter sur la participation d'éléments extérieurs. Le secteur privé a surtout travaillé sur la base du processus ICC et notre expérience s'est limitée à la suivante. Nous avons reçu des directives précises à propos de la représentation du secteur privé, que ce soit pour les questions de parité ou encore de compétences ou de géographie, mais pour des autres processus auxquels nous avons participé. Il n'est pas toujours facile et clairement et en amont de savoir quels sont les candidats que nous devons présenter. Donc plus nous avons d'informations en amont, mieux c'est. Nous l'avons vu avec le groupe de travail CSTD plus récemment avec un président qui très clairement et explicitement nous a dit quels étaient les besoins à remplir. Donc je souhaiterais vraiment nous encourager à nous inspirer de ce type de processus et demander au DESA de nous faire parvenir ces informations bien en avance. Cela permet d'ailleurs à tout le monde de mieux comprendre ce qu'est le FGI bien avant ce mois où l'on nous demande de présenter des candidatures. Et nous devons le faire en tant que communauté, quelle qu'elle soit. Et ce qui nous aide, c'est d'avoir davantage d'informations à propos des lacunes à combler. Point, I just... Non, sur un autre sujet, je voulais abonder dans le sens de ce qu'a dit le collègue de l'Union européenne, ou la collègue plutôt, l'importance de la relation entre les activités de parrainage, la promotion de l'évolution numérique et les ODD. Lors du FGI du Brésil, la session sur l'économie et le développement durable qui débouche sur la coopération entre la base ICC et l'Union africaine a été une excellente expérience. Cela aboutit sur un événement, une manifestation africaine, et cela pourrait se faire aussi dans d'autres contextes où l'on pourrait, s'enrichir les uns les autres avec des contributions importantes. Merci, Elisabeth. Je crois que votre question sur l'ordre du jour voulait dire que c'est une consultation ouverte et qu'il y a parfois des commentaires qui appellent à des réflexions qui ont lieu demain. Nous avons encore 5 ou 6 personnes sur la liste d'orateurs et ensuite on passera au quatrième point de l'ordre du jour. C'est quelqu'un de l'UIT qui a demandé la parole, qui est le suivant sur la liste. Oui, en effet, merci Madame la Présidente. Je voulais intervenir dans le cadre du bon point de l'ordre du jour, mais je vois qu'en fait, les gens interviennent à propos de différents domaines de l'ordre du jour, donc... Je pense que je puis intervenir maintenant, pourquoi pas. J'aimerais vous parler du Forum OSCE 2016, qui aura lieu du 2 au 16 mai, avec plus d'une centaine, 140 pays, avec des ministres, des ambassadeurs, des directeurs de différentes entreprises, des secteurs privés, des sociétés civiles et des universités. Donc je vous encourage à y participer. Le forum part de l'examen global de la mise en œuvre des résultats de la OSCE et demande un alignement entre la OSCE et les processus de développement durable. Le forum sera donc un forum de référence pour parler du rôle des ICT dans le cadre des objectifs de développement durable. Le secrétaire général de l'UIT a consulté les États membres et M. Sepulveda,
secrétaire adjoint à la politique de télécommunication des États-Unis, a été désigné comme président de cette réunion. Il y a des projets qui mettent en avant le potentiel des ICT pour les objectifs de développement durable. Cette année va également décerner des prix à 17 champions dans différentes catégories. Le forum permettra cette année de se mettre en syntonie avec les efforts pour brancher le milliard supplémentaire. L'ordre du jour du forum est disponible en ligne, vous le savez sans doute. Elle est formée à partir des propositions des parties prenantes durant le processus de consultation. Il y a eu plus de 150 contributions, une activité de collaboration où les participants construisent ensemble l'ordre du jour et permettent ainsi un dialogue et un débat multipartite. Merci. Thank you. Mike Nelson has the floor, but it looks as though he stepped out for a moment. Max voulait intervenir, mais il vient de sortir, alors on va le mettre à la fin de la liste. Mark Ravel, vous avez la parole. Thank you, Chair. Mark Ravel, United Kingdom Government. Bonjour, je travaille pour le gouvernement du Royaume-Uni. Trois brèves remarques, vu que nous n'avons que peu de temps. D'abord, sur la participation de la jeunesse. L'un des messages qui a été relayé, c'est qu'il faut intégrer les jeunes dans le programme du FMJ dans la mesure du possible. J'espère que le nouveau MAG fera passer ce message aux organisateurs des réunions, notamment des ateliers. Il faut que les jeunes soient intégrés comme participants, comme experts, c'est-à-dire participants actifs. Pour ce qui est de la protection des droits de l'enfant, le Royaume-Uni pense que c'est une question de la plus haute importance pour le FGI. Nous espérons que le MAG mettra la protection des enfants en ligne très en avant dans le programme de Guadalajara, sachant que c'est un processus qui va de la base vers le sommet, mais nous espérons que le MAG s'assurera que cette question, qui est une question vraiment qui concerne tout le monde et tous les pays, soit vraiment mise en relief dans le programme de Guadalajara. Enfin, la conférence G7 ITT, je suis le responsable pour la préparation de cette séance. C'est une séance à huis clos, mais il y aura aussi une réunion multipartite le premier jour, c'est-à-dire le 29 avril, à la fin du mois en cours. Cette conférence multipartite est co-organisée par le ministère japonais de l'Intérieur et des Communications, au nom de la Fédération des entreprises japonaises. Et c'est vraiment une occasion, je crois, de sensibiliser les Japonais à propos de l'importance du FGI. Mon ministre a parlé de cette question et tâchera d'aborder la question lors de la réunion multipartite qui aura lieu au Japon le 29 avril à Takamatsu. Merci. Merci. Klaus, vous avez la parole. Merci. Et moi aussi, j'aimerais vous féliciter pour votre nomination. Avant de commencer, voilà, j'aimerais rebondir sur quelques-unes des remarques qui ont été faites tout à l'heure. C'est peut-être une platitude, mais je crois que les TIC nous touchent tous.
Nous sommes tous aussi concernés par la gouvernance de l'Internet. Et si nous avons beaucoup de programmes sur l'alphabétisation internetique, nous devons aussi avoir un programme de sensibilisation sur la gouvernance Internet. Ça a été lancé au Brésil avec les jeunes, les étudiants, mais il faudrait aussi parler avec les entreprises, les gouvernements, tous les utilisateurs d'Internet. Pourquoi faut-il que ce soit le FGI qui interviennent. Demandons aux étudiants de parler aux étudiants, demandons aux jeunes de parler aux jeunes, au gouvernement de parler à d'autres gouvernements et aux entreprises de parler aux entreprises. Donc il faut vraiment réfléchir à cette question de la sensibilisation sur la gouvernance de l'Internet. Nous devons soutenir le processus multipartite, la participation, le dialogue de bas en haut, de la base au sommet. Sans participation, on ne fera jamais que dire des platitudes. Nous avons vraiment besoin de participation et de dialogue. Merci, Anya, sur la participation. Oui, je vais vous lire trois commentaires. Ensuite, Jack souhaite intervenir. Dietry Williams. Nous avons consacré beaucoup d'énergie pour rendre Internet plus concret. Il faut peut-être en parler comme un outil. Nous avons besoin de politiques pour son utilisation comme un outil. Deuxième commentaire. Commentaire d'Istanbul. L'ambassadeur de l'ISAC ont dit qu'ils étaient préoccupés à l'instar d'autres personnes. À propos du nombre du temps consacré au débat ouvert. En effet, au Brésil, ça n'était pas suffisant et il faudrait y consacrer davantage dans le prochain FGI. Peter Demgarchosch, je suis d'accord que la réunion d'aujourd'hui doit parler des processus de nomination des présidents, mais je ne sais pas sous quel point il faut le faire. Et maintenant, nous allons donner la parole à Jack qui souhaite intervenir. Hello, can you hear me? Just checking. Yes, we can. Thank you very much. I'd just like to raise, I guess, three comments. One is to support the interventions earlier around discussing process and transparency around, I guess, not just around the next election, but the overall working processes of the IGF. I think it's a really good opportunity for us here, given the renewed 10-year mandate. So, for example, also thinking through how intersessional work links to IGF work in a sustained way and deepening the inter-institutional work that IGF faced within the UN and with other policy processes. So, for example, we could also be using some of the outputs of the IGF to inform other processes like the HRC. Secondly, I would like to really recommend the continued strengthening of the intersessional work. It's been a very useful process to continue the conversation beyond the IGF event in itself, and that it's produced quite solid work and outcome. And to really support human rights related thematic issues to be a consistent topic for this and also for the IGF. Because the, especially important given human rights really encompass such a diverse area, and it is very relevant to internet policy discussion. And the IGF is a unique space to foster multi-stakeholder conversations within this thematic area and to increase links with other UN processes as well. And then I would like to recommend the continued development and strengthening of the dynamic coalition work as one of the primary platforms for intersessional work for the IGF. Thought needs to be given to how the work of the DCs is shared and that it allows for broader engagement with the broader IGF community and that the MAG and Secretariat should play a continued role to support this process. So, for example, two concrete areas of work from the Gender Dynamic Coalition, which I'm a part of, is to develop a sexual harassment policy for the IGF. I think this is particularly timely given some of the discussions that has come up from the ICANN meeting as well.
And secondly, is the gender report card that the Gender Dynamic Coalition has been working on. Last year is the fourth year in which the report card has been done, but it remains somehow outside of the good monitoring and statistical work that the Secretariat does to ensure to keep track of diversity and participation. But maybe some steps and discussion needs to be taken on how to integrate this in terms of the work of the DC together with the other pieces of puzzle that makes sure that drives the work of the IGF. And finally, I think that it's quite. I think maybe we should discuss an opportunity for protesters to present their concern during the IGF, given the experience last year where peaceful and silent protesters were actually removed on the first day. And this is, of course, against freedom of expression, but also it's not the first time that this has happened. It's clearly the IGF is a space that is important for people to come and present their concerns, and I think we need to think about a space that allows for this to happen in a way that is respectful of human rights. Thank you. Thank you. Thank you, Jack, and all the other online participants. Merci, Jackie, et merci à tous les autres participants en ligne. Ada, vous avez la parole. Merci. Ada Marmovic de la Bosnie-Herzégovine. Je représente la société civile, je fais partie du MAG et je fais partie du comité organisateur du premier FGI de mon pays qui s'est déroulé en octobre 2015 avec 109 participants de toutes les parties prenantes avec un équilibre entre les sexes de près de 50% parmi les orateurs, les modérateurs, les participants. La réunion a été organisée en 3 mois seulement, donc c'était un travail éreintant, comme vous pouvez l'imaginer. Quelques éléments fondamentaux du succès de la réunion. D'abord, la sensibilisation. Des explications sensibles parmi toutes les parties prenantes du pays sur ce qu'est l'Internet et sur l'importance de leur participation au processus. Deuxième, c'est sans doute le plus important, le soutien des organisations internationales telles que l'APC, l'ICANN, le représentant de l'OACI, la Fondation Diplo et bien sûr le secrétariat du FGI et le FGI en général qui nous a beaucoup soutenus. C'était vraiment essentiel parce qu'à ce stade-là, les représentants du gouvernement, le secteur privé, se sont rendus compte de l'importance du processus et de leur participation à ce processus lorsqu'ils se sont rendus compte que nous comptions sur le soutien d'organisations internationales. Pour ce qui est des voix du secteur national et régional, que je sache, toutes les initiatives sont incluses dans le rapport, y compris des informations sur les difficultés des communautés et des régions diverses, et je sais que les gens qui s'occupent de ces rapports y consacrent beaucoup de temps, c'est pourquoi je propose qu'à l'avenir, on se penche sur ces rapports pour voir ce qu'on peut en tirer. Et puis, demain, on m'a demandé de vous présenter une lettre de requête au MAG. Thank you, Ed. Michael. Merci. Michael, vous êtes sorti tout à l'heure. On vous avait donné la parole, mais vous n'étiez pas là. Alors, allez-y maintenant. Merci beaucoup. Lindsay, excusez-moi, je suis sorti quelques instants. Je voulais simplement répondre à une remarque qui a été faite deux ou trois fois de manière un peu différente. Faire participer des gens de différentes disciplines, secteurs, etc. Et je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut faire participer des gens qui travaillent dans la santé, dans la finance, dans l'éducation, dans le débat sur la gouvernance de l'Internet. Mais lorsqu'on ratisse tellement large que l'on parle de ces secteurs et de l'Internet, ça me pose un problème. Parce que pour finir, on n'a plus de frontières, on n'a plus de limites, et on va finir par avoir une conférence qui offre tout à chacun, et pour finir, on n'offre plus rien à personne. Dans des secteurs tels que la finance, ils ont leur propre
conférences, ils ont leurs propres experts internet qui viennent leur expliquer comment mieux faire des opérations bancaires sur internet. Mais ils ne parlent pas des décisions relatives à la gouvernance qui va avoir un impact sur le secteur. La même chose vaut pour la santé, pour l'éducation. Alors, j'espère que lorsque l'on parle à ces groupes, nous n'allons pas faire de la publicité sur la manière, sur la manière dont l'Internet va les aider à faire de meilleures affaires. Non, il faut qu'ils nous aident, eux, à prendre des décisions de manière à ce que ça leur facilite la vie. Ce sont deux choses très différentes. Il faut qu'ils puissent intervenir pour avoir leur mot à dire dans les décisions sur les questions qui les touchent, sur les lois et les règles qui les touchent. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur Fonseca, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je crois que mon chevalet, que je n'ai pas été le premier à lever le chevalet ici. Je peux parler maintenant, mais je vais faire un commentaire sur ce que vous allez dire. Alors, je vais attendre. Non, je commencerai par dire, pour ce qui est de la manière d'encourager la participation des gouvernements, il y a eu plusieurs commentaires dans ce sens. Étant donné que j'ai travaillé dans l'organisation d'IFGI et j'ai travaillé aussi dans le Net Mondial, je peux dire par expérience qu'il faut, disons, des efforts de dialogue et de sensibilisation gouvernement à gouvernement. Et évidemment, dans le cadre du format multipartite, nous pouvons aussi essayer d'organiser des briefings adressés ou à l'intention des missions et des ambassades pour que au moins les ambassades préparent un rapport à l'intention de la capitale qui sera, on va dire, prédigéré et qui sera bien accueilli sur le plan national. Il faudrait aussi prévoir des réunions entre gouvernements, des réunions bilatérales entre gouvernements, par exemple. Nous avons par exemple eu des réunions avec le Mexique, et je crois que c'est une bonne manière de travailler. Il est important de montrer à d'autres gouvernements notre perception des bienfaits du travail en multipartite pour ce qui regarde de la gouvernance de l'Internet. Et c'est important qu'un gouvernement entende de la part de représentants d'un autre gouvernement la manière de voir le problème et les avantages d'une participation, ce qui n'empêche pas les approches multipartites. Mais je crois que la perspective bilatérale entre gouvernements est certainement très importante. C'est une perspective différente. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Nous avions clos la liste d'orateurs pour cette séance. Je vois que d'autres demandes de parole se sont ajoutées. Nous voulions des interventions sur le partenariat et d'autres organisations de gouvernance d'Internet. Alors, si les trois ou quatre personnes qui ont demandé la parole sont certains de pouvoir être brefs, eh bien, on peut vous entendre. Mais vraiment, j'aimerais respecter les gens qui se sont réservés pour intervenir en dernier lieu. Nigel, vous étiez sur l'autre liste, alors bien, vous retirez votre demande de parole, vous interviendrez tout à l'heure. Alors, je donne la parole à Lizzo, et ensuite nous passerons ensuite, au point 4 de l'ordre du jour. Merci, Madame la Présidente. Je m'appelle Lizzo France, département d'État des États-Unis. Ce n'est pas la première consultation ouverte du MAG.
mais c'est la première fois que j'y participe en tant que membre du MAG. Donc merci beaucoup d'être, d'avoir assumé la présidence. Après avoir entendu ces débats, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un commentaire à propos des frontières et des limites. Nous avons maintenant un mandat sur 10 ans et nous avons une sorte d'arc sur 10 ans pendant lesquels nous pouvons dialoguer avec les communautés. Et nous pouvons penser à la manière d'améliorer les projets ou les domaines où nous souhaitons renforcer la capacité et la participation des pays en développement. Nous avons la possibilité aujourd'hui de réfléchir à cette continuité à long terme. Donc on n'a pas besoin d'obtenir la quadrature du cercle dans ces deux ou trois prochains mois, mais il faut peut-être y réfléchir à plus long terme. Merci. Elisabeth et Peter avaient demandé à quel moment on allait aborder cette question demain. C'est dans le cadre du C et du D, l'orientation du MAG et les rôles de responsabilité. Il faudra faire attention de la manière dont nous gérons notre temps demain. C'est une journée très chargée et très importante. Alors, on va peut-être se distribuer en groupe de travail Nous allons jeter un coup d'œil à l'ordre du jour ces deux prochains jours pour voir s'il faut y apporter des modifications. Sur ce, le dernier point de l'ordre du jour nous vient du programme de Tunis, ce qui montre bien que ce type de processus est censé faciliter le discours entre les organisations, les activités de gouvernance d'Internet et les institutions. C'est pourquoi il y a un certain nombre de projets que le secrétariat ou d'autres organisations ont pensé qu'il fallait attirer votre attention. J'ai quelques demandes spécifiques d'intervention. Je vais donc donner la parole à ces personnes et ensuite il y aura un débat un peu plus ouvert. Il y avait le Forum mondial qui avait demandé à intervenir, mais malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Ils ont donné une intervention que le secrétariat va lire. Thank you. Brian. Brian, au nom du Forum économique mondial. En effet, merci Lynn. Je vais vous le lire. Donc, au nom du Forum économique mondial, en la personne de Alex Wang, qui est le coordonnateur de l'initiative Internet. Le Forum économique mondial a pour objectif de faire en sorte que l'Internet soit bénéfique pour toute l'humanité et qu'il facilitera la collaboration publique-privée. Vu que l'une des initiatives porte sur l'adoption de l'Internet pour l'ensemble des projets, l'initiative Internet a déjà fourni des contributions au FGI en 2015 dans le cadre du projet de branchement du milliard supplémentaire. Le forum est censé participer aux activités prévues pour l'année à venir et il invite au MAG à participer à nos initiatives qui se dérouleront sur le plan national, régional et international tout au long de 2016.
Les régions sur lesquelles sont axés nos efforts, c'est le corridor du nord de l'Afrique, l'Amérique latine et l'Inde. Et la participation des FGI nationales et régionales serait particulièrement bienvenue. Il y a aussi une offre d'accueil d'une session sur la connectivité Internet pour tous le jour zéro ou à un autre moment. Merci. Merci. Je crois qu'on va peut-être distribuer cette intervention aux membres du MAG. Christina, vous souhaitez intervenir? Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Oui, je souhaiterais faire quelques remarques à propos de l'Observatoire global de politique Internet. GIPO est présenté ce projet aux nouveaux membres du MAG. Cet observatoire est en fait un projet dont la Commission européenne a donné le coup d'envoi l'année dernière. Il a pour objet de contribuer au minimum à répondre aux besoins qui ont été mis en exergue par nombre d'entre vous au cours de la session, à savoir le fait que l'on doit pouvoir avoir accès à un niveau adéquat d'information à propos de la gouvernance d'Internet et les politiques liées à Internet un peu partout dans le monde. Donc l'objet de cet outil, de cet observatoire, est de justement fournir ces informations de manière automatique. C'est un outil qui passe en revue les informations, on sélectionne les plus pertinentes. Il choisit bien entendu parmi une source qui a été sélectionnée et dont tous les utilisateurs peuvent prendre connaissance. Il note le contenu et il fait le lien entre ce contenu et les métadonnées. Tout cela se fait de manière automatique, de manière à ce que ces informations puissent être utilisées dans différents contextes et selon différentes modalités. Nous pouvons donc dire que l'Observatoire est un fournisseur d'informations pré-digérées à propos des politiques et gouvernances liées à Internet qui peuvent ensuite être utilisées et retraitées par d'autres outils de type observatoire et qui, eux, mettent davantage l'accent sur ce type d'activité. Mais il peut également servir directement aux parties prenantes qui ont besoin d'avoir accès à ce type d'informations. Autre utilisation que l'on puisse envisager et qui est apparue en discutant avec les parties prenantes, c'est un outil qui peut faciliter les processus tels que le forum, qu'il soit global, national ou régional. Puisqu'il permet de classifier du contenu, il permet de... Et c'est en fait un outil de gestion qui permet l'accès à ces différents contenus. Pour l'heure, un prototype existe. Il s'agit d'une version bêta à qui tout un chacun peut accéder. Et l'équipe qui a travaillé au développement de cet outil organise à intervalles réguliers des webinaires et rencontres physiques entre parties prenantes intéressées de manière à pouvoir l'adapter aux besoins des utilisateurs finaux pour qu'il leur soit véritablement utile. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet dont la Commission européenne a donné le coup d'envoi. Nous l'avons donc aidé à démarrer au plan financier, mais c'est vraiment un outil qui a été pensé pour la planète tout entière. Donc nous ne voulons pas nécessairement être les seuls propriétaires de cet outil. Et j'aimerais inviter les membres du MAG à se rendre sur le site internet japonet.org et à partir de là, utiliser cet outil dans sa version bêta. Des fonctions supplémentaires seront... This means that there is still scope to... Différentes versions existeront avec des fonctions à choisir pour adapter l'outil à vos besoins spécifiques. Et j'aimerais aussi inviter les membres du MAG et le secrétariat du forum à voir en quoi cet outil pourrait vous faciliter la tâche, mais aussi faciliter la coopération et les échanges avec d'autres initiatives de cartographie et d'autres observatoires. Il s'est produit quelque chose d'absolument remarquable au cours de ces deux dernières années. On a constaté une véritable explosion d'initiatives et elle foisonne ces initiatives. Nous sommes en contact avec plus de 30 initiatives qui se déploient à différents niveaux, national, régional ou international, et qui toutes essayent d'apporter des réponses et des solutions face à la complexité de ce qu'est la gouvernance Internet. Et le simple fait d'être en contact permet à toutes ces initiatives
un échange d'expériences, de pratiques de référence et donc fournir quelque chose d'utile. Et c'est donc un aspect qui me paraît intéressant et je dirais même une nouvelle évolution intéressante. Et pour information, le 20 avril, nous organiserons un webinaire sur la manière dont l'Observatoire tiendra compte du principe de multilinguisme. Ce sera un outil qui fournira des informations dans au moins 5 des 6 langues officielles des Nations Unies, ce qui est donc un élément intéressant, c'est un élément plurilingue. Et enfin, un groupe consultatif a été constitué pour fournir un avis indépendant à propos des différents aspects de mise en œuvre de ce projet. Et ce groupe consultatif travaille en toute indépendance vis-à-vis de la Commission européenne. Il y a un certain nombre des membres du MAG qui font partie de ce groupe consultatif et je pense qu'il serait vraiment bon et utile qu'il fasse office d'agent de liaison et facilite les échanges et nous aide à voir en quoi l'outil pourrait servir également au MAG. Enfin, si vous m'y autorisez, j'aurais encore une petite information à vous fournir, puisque l'on a parlé plutôt des initiatives liées à la gouvernance d'Internet. Donc, à titre informatif, la Commission européenne entend cette année concentrer certaines des activités sur la notion de juridiction sur Internet. Nous envisageons d'organiser 2 ateliers à Bruxelles, un premier à propos des questions de compétences dans le nuage informatique et un deuxième consacré à tous les intermédiaires d'Internet. Voilà, à titre informatif, merci. Merci Christina. Peter, vous avez la parole. Merci Lynn. Lors de mon intervention précédente, j'ai essayé de vous présenter certains des aspects de l'action menée par la Commission des sciences et de la technologie au service du développement, qui est un organe des Nations Unies. Mais je pense qu'il faudra à présent que j'entre un peu plus dans le détail de ce qu'a fait cette commission. La commission elle-même, la CSTD, elle fait partie intégrante du Conseil économique et social, l'ECOSOC, de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'un de ses grands organes, donc l'ECOSOC, grand organe de l'ONU, et la CSTD figure parmi ses commissions techniques. Elle doit accomplir 2 mandats, un premier lié aux sciences, un deuxième lié à la technologie, les 2 au service du développement. Alors, je ne vais pas passer par le menu l'ensemble des activités réalisées par la Commission, mais surtout vous parler de ce premier mandat, celui qui me semble être le plus pertinent au égard à ce que fait le forum et à ce qui concerne le SMSI. La Commission, chaque année, présente un rapport au secrétaire général à propos de l'examen pansystémique. Elle réalise également un projet de résolution qui est ensuite présenté à l'ECOSOC et qui concerne toutes les questions relatives au SMSI, et c'est la base là d'une résolution qui est ensuite adoptée par l'Assemblée générale lors de sa grande réunion du mois de septembre. Et enfin, et non des moindres, la Commission a donné naissance à 2 groupes de travail. Un premier groupe de travail dont on a déjà parlé plus tôt, c'est le groupe de travail sur les améliorations apportées au FGI et qui a triomphé avec succès des tâches qui lui avaient été confiées. Et il y a deuxième groupe de travail, le groupe de travail sur la coopération renforcée. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de ce qu'est la coopération renforcée par rapport à la coopération non renforcée. Je m'en remets à vous pour réfléchir à ce que c'est, mais l'on m'a demandé de poursuivre les travaux entrepris par ce groupe de travail et d'en créer un nouveau, et je souhaiterais vous remercier, vous, tous ceux qui avaient participé à ce groupe de travail, en signant tout particulièrement la participation des points focaux. Merci beaucoup de m'avoir aidé à mettre sur pied ce groupe de travail qui, je crois, s'est avéré être un processus très ouvert, c'est du moins mon espoir, et dont les résultats seront affichés, je pense, d'ici la fin de la semaine sur le site internet de la CSTD. Je vous l'avais dit plus tôt, le document final de l'examen décennal du SMSI, SMSI plus 10, encourage la CSTD à
poursuivre son examen pansystémique SMSI. On lui a également demandé de rendre compte des résultats de la mise en œuvre des recommandations formulées par le groupe de travail des améliorations et d'identifier et promouvoir les mesures concrètes qui permettraient que soit mis en place un environnement propice au TIC et au développement. Donc voilà, dans les grandes lignes, le lien que l'on pourrait établir avec les ODD. Et pour revenir au premier mandat de la commission, nous avons également une tâche à effectuer qui est liée aux autres événements de haut niveau, dont la création d'un forum scientifique à l'échelle de l'organisation, qui ne manquera pas donc de nous donner des choses supplémentaires à faire. Donc voilà en résumé les nombreux liens que j'entrevois entre le FGI et la CSTD, et j'espère que ces liens continueront d'être renforcés de manière positive. Je vous remercie. Merci, merci Peter. Anna, vous avez la parole. Merci, merci Arnaud. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Pour commencer, toutes mes félicitations suite à votre désignation à la présidence. Je suis Arnaud Vernend. Je viens des Pays-Bas. J'en représente le gouvernement et je suis très heureux d'être un nouveau membre du MAG. J'ai par le passé participé à ces réunions à titre d'observateur, observateur actif, soit dit en passant, et je souhaiterais féliciter les autres nouveaux membres du MAG et remercier les membres sortants du travail acharné qu'ils ont produit. Je souhaiterais vous fournir quelques informations que je vous fournis pour votre gouverne et qui concernent ce que nous faisons à propos de la gouvernance d'Internet. J'aimerais en fait vous parler du Forum mondial sur la cyberexpertise. Ce Forum mondial sur la cyberexpertise a été créé à l'occasion de la conférence sur le cyberespace qui a eu lieu au mois de mai l'année dernière à La Haye. Il s'agit d'une plateforme qui rassemble gouvernements, organisations internationales et entreprises privées et leur permettent de procéder à un échange de pratiques et d'expériences ainsi que de compétences aux fins du renforcement des capacités. L'objectif est de répertorier les pratiques qui ont fait leurs preuves et les répliquer au niveau mondial. Pratique et politique. Avec nos partenaires des ONG, de la communauté technique, des cercles universitaires, nous avons produit une initiative concrète pour contribuer au renforcement des capacités. Nous avons déjà lancé un appel à candidature pour constituer un groupe consultatif qui s'occupera spécifiquement de la communauté des ONG et des cercles universitaires. Il y a 22 membres qui devraient avoir déjà été élus à ce jour et j'espère qu'ils pourront faire fond sur les connaissances et compétences à la recherche desquelles nous sommes. Il y a à ce jour 11 initiatives qui ont d'ores et déjà été sélectionnées et ces initiatives vont maintenant être mises en œuvre. Vous pourrez trouver toute une richesse d'informations à ce sujet sur le site internet de ce forum. Mais j'aimerais tout de même en citer quelques-unes. Il y a tout d'abord une initiative qui concerne la cybersécurité au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Il y en a une autre qui concerne la maturité CSIRT. Il y a ensuite une initiative qui parle de la vulnérabilité, donc avec le piratage éthique, et bien d'autres questions liées donc à la cybersécurité. Il y a bien d'autres initiatives qui sont en cours dans les autres régions du monde et si vous souhaitez en apprendre davantage à leur propos, je vous invite à vous rendre sur le site internet du GFCE. Merci. Merci, merci Arnaud. Deux autres personnes souhaitaient prendre la parole. Il y a Nigel qui va nous parler de la transition. Nigel, vous avez la parole. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais essayer d'être concis. La transition IANA est une petite initiative. Non, je vais essayer d'être un petit peu plus sérieux. Trêve de plaisanterie. J'ai pensé qu'il vaudrait peut-être la peine que je vous fournisse des informations actualisées. Vous dire où on en est de cette initiative.
Comme vous le savez, c'est une initiative facilitée par l'ICANN, c'est une initiative de la communauté internationale de l'Internet. Il s'agit d'initiatives qu'ICANN n'aurait pas pu porter à elle seule sans pouvoir compter sur la coopération d'un large éventail de participants venant d'un large éventail de pays et représentant des compétences et des histoires différentes. Et il y a parmi ces personnes de nombreuses personnes très actives au FGI et très actives au MAG. C'est en fait l'exemple même d'un processus à plusieurs parties prenantes. Et en fait, ce que l'on a fait, et c'est d'ailleurs ce que l'on avait déjà fait de façon tout à fait remarquable il y a 2 ans par le biais du Net Mondial, tout juste après avoir lancé la transition IANA, Net Mondial avait montré que l'on pouvait discuter de questions très sérieuses à propos d'Internet par le biais d'un processus multipartite. Bien souvent, l'on se plaint du fait que l'on se réunit dans des grandes salles, que l'on est très nombreux, que l'on discute beaucoup, certes, mais que l'on ne produit rien de concret. Eh bien, ça n'est pas vrai, car pour ce qui concerne Net Mondial et l'initiative de transition IANA, on a réussi à produire un document très détaillé et fondamental qui énonce des processus concrets à partir de l'ICANN et au-delà également. La transition IANA en elle-même se substitue donc au rôle que l'USNTIA jouait par le passé pour certaines des aspects techniques de l'Internet, donc la racine même d'Internet, pour améliorer par exemple les nouveaux domaines de niveau supérieur. Et il y a aussi ces dispositions relatives à la transition dont nous sommes enfin convenus à la dernière réunion de l'ICANN qui a eu lieu à Marrakech le 10 mars et qui envisage la mise en place d'un processus au terme duquel le rôle du ce NTA sera remplacé par un mécanisme plus complexe avec du personnel de l'IANA, de la communauté mondiale, les différents groupes et différents comités consultatifs. Vous avez lié à cela un processus de responsabilisation qui est tout aussi important, un processus de responsabilisation qui se fonde sur l'idée que l'ICANN doit rendre compte de ce qu'elle fait à la communauté mondiale dans son ensemble. C'est un processus de responsabilisation assorti de freins et contrepoids qui permet à la communauté d'Internet, à certaines conditions bien entendu, de prendre des mesures très importantes, comme par exemple le fait de déposer le conseil d'administration de l'ICANN. Il s'agit d'un processus très important pour l'ICANN, c'est un processus très important dans l'optique d'une gouvernance d'Internet. C'est un processus important également pour qu'au plan mondial, l'on se rende compte du caractère précieux d'Internet et qui permet surtout à tous les gouvernements d'agir sur pied d'égalité. Mais, Madame la Présidente, et c'est sans doute tout aussi important que ce que je vous ai dit plus tôt, cette initiative montre que la communauté d'Internet peut se rassembler et prendre un certain nombre de décisions. Il me semble que cela est pertinent et important pour bien d'autres aspects de la gouvernance d'Internet et de l'écosystème mondial d'Internet. Nous discuterons des résultats de la transition IANA lors du forum SMSI. Je pense que notre collègue de l'UIT a déjà quitté la salle, c'est dommage, mais je souhaiterais tout de même lui adresser un compliment. Le forum SMSI qu'accueille l'UIT est une occasion importante pour nous de parler de ces grandes questions qui concernent la gouvernance d'Internet et son évolution, ce que nous ne manquerons pas de faire avec l'aide d'un groupe de travail sur la gouvernance d'Internet. Donc je pense que je vais m'arrêter là, mais avant, j'aimerais vous parler de ce processus que nous avons démarré avec le NTIA du gouvernement américain, qui est pour le moment l'examen à Washington, qui sera ensuite porté à l'attention du Congrès et nous espérons obtenir une réponse avant l'été. Il faudra ensuite que l'on procède à la pleine mise en œuvre de ces mesures prévues pour la fin du mois de septembre lorsque le contrat qui lie actuellement l'ICANN et le NTIA parviendra à expiration. Merci, merci. Vous aviez présenté, l'UIT avait demandé à faire une présentation à ce sujet. C'était, je crois, sa contribution à propos du forum SMSI. Je vois que Benedito se demande à prendre la parole, le Brésil. Et vous allez peut-être répondre à ce qui a été dit par Nigel. Et j'aimerais donner à mes autres amis du Brésil de prendre la parole pour nous parler de l'initiative Net Mondial, puisque elle...
est apparu à plusieurs reprises sur les radars dans nos discussions de l'année dernière. Mais nous allons commencer par Benedito. Merci, merci Madame la Présidente et merci à Nigel de son exposé, de ses informations. Pour ce qui concerne ce que nous a dit Nigel, le Brésil, comme vous le savez, est un pays qui participe de plein pied aux initiatives à plusieurs parties prenantes. Il s'agit d'un concept que nous avons fait nôtre, raison pour laquelle nous avons participé aux activités qui ont précédemment eu lieu dans le cadre de processus de transition IANA et nous avons participé au processus qui a mené à l'élaboration d'une proposition de transition. Nous avons participé à l'ICG et au groupe de responsabilisation du CCW. Il est donc, pour exprimer ici le point de vue des gouvernements, j'aimerais vous dire que nous sommes très préoccupés par certaines des dispositions, mais nous attendons de voir ce qui leur arrivera dans la certaines des dispositions que l'on retrouve dans la version définitive de la proposition et qui imposent de graves restrictions à la capacité des gouvernements à participer. Je ne pense pas que l'on puisse dire que ce document prévoit une participation sur pied d'égalité des gouvernements. Je pense que l'on admet qu'un certain nombre de questions évoquées par l'ICANN à propos des noms, à propos des chiffres, des ressources critiques, qu'il y a des questions à propos desquelles les gouvernements ne peuvent pas avoir la main mise, ça j'en suis bien d'accord, mais il faut aussi accepter que les gouvernements doivent tout de même continuer de jouer un rôle consultatif, ce que prévoit le régime actuel, un rôle qu'ils doivent continuer de jouer après la phase de transition, donc ce rôle consultatif. Donc tous s'accordent ici à reconnaître parmi gouvernements, qu'il leur faut continuer de jouer ce rôle consultatif. Il y a cependant un certain nombre de dispositions qui ont été ajoutées au texte, parfois à la toute fin des négociations et qui nous posent problème. Je ne vais pas développer mon propos à ce sujet, j'imagine que vous savez de quoi il s'agit, mais il y a notamment les critères de déclenchement des processus de consultation et il y a aussi le mécanisme de type carve-out. Donc je ne vais pas développer, notre avis à ce sujet a déjà été énoncé dans l'avis minoritaire qui accompagne la proposition et cet avis minoritaire a été appuyé non seulement par le Brésil mais aussi par des pays tels que la France, le Portugal, l'Argentine et d'autres. Et dans la liste des pays qui ont défendu ce point de vue minoritaire, vous verrez que tous ces pays, que l'immense majorité de ces pays sont pourtant très de fervents partisans du caractère multipartite des travaux de l'ICANN. Mais nous avons tout de même clairement fait part de notre inquiétude vers certaines des dispositions du texte final qu'examine à l'heure actuelle le gouvernement et le Congrès américain. Donc, nous sommes favorables au processus, je le dis très officiellement, mais nous sommes préoccupés par ces dispositions. Nous pensons que la manière dont le processus dont s'est déroulé n'a absolument rien à voir avec le processus net mondial, un processus, et j'en suis désolée, qui était assorti d'un agenda concret, qui se fondait sur le principe d'une approche participative, dont on n'a pas modifié les règles en cours de route à la fin du processus. Je pense que tout le processus net mondial était un processus de participation. Et ça n'est malheureusement pas le cas du processus de transition. Et c'est peut-être ce qui nous inquiète le plus d'ailleurs, car nous participons aux travaux de l'ICANN depuis un certain nombre d'années. Nous étions là ici, nous étions là à New York et ailleurs également, à Istanbul. Et à chaque fois, nous n'avons eu de cesse de dire que nous sommes partisans de l'approche à plusieurs parties prenantes. Nous appuyons tout à fait le concept à plusieurs parties prenantes repris dans le document final du SMSI. Les parties prenantes ont des rôles et des responsabilités différentes à assumer. Et c'est de cette façon-là que nous avons, nous, essayé de nous organiser et d'équilibrer les choses.
les choses n'ont pas été faciles à obtenir au SMSI plus 10, mais nous avons tout de même obtenu un résultat équilibré. Il a fallu que l'on travaille avec d'autres délégations pour essayer de rallier à notre avis des délégations qui s'inquiétaient vraiment de l'existence de cette approche à plusieurs parties prenantes. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, il était très important que le Mexique ait déjà accueilli, offert d'accueillir le FGI 2016, de pouvoir compter sur sa présence dans la salle pour convaincre des pays qui sont très attachés à cette notion, avec un effet de contrepoids vis-à-vis à d'autres délégations qui, elles, n'étaient peut-être pas aussi enthousiastes face à cette idée. Donc, ceci m'amène à ma conclusion. Il est très important, la manière dont le processus à Cannes s'est déroulé nous préoccupe. Il y a des pays qui étaient très réticents à accepter le processus multipartite. Je pense que nous arriverons à les convaincre que si le processus se déroule mieux, car si on s'en tient à la manière dont ça s'est déroulé jusque-là, on ne peut pas espérer les convaincre de l'importance de ce processus à plusieurs parties prenantes, et ça ne serait pas rendre service à cette notion que l'on défend ici. Alors, nous admettons le fait que tout ceci s'est produit pour l'ICANN dans une situation bien particulière, avec une organisation qui avait déjà un mandat très clair, reconnu déjà dans le document SMSI. Mais je pense tout de même que l'on a imposé au gouvernement des restrictions inutiles, au point d'ailleurs que certains pays comme le Brésil, la France, l'Argentine, le Portugal et d'autres en sont arrivés à devoir rejeter la proposition finale. Donc, nous espérons et nous souhaitons que la proposition soit pleinement mise en œuvre. Mais l'objectif global, qui est de passer à une compétence juridiction unilatérale, à autre chose, ça nous y sommes favorables. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui ont été ajoutés et qui ne nous aideront pas à l'avenir. À faire en sorte que tous s'assoient autour de la même table, y compris pour les gouvernements. Merci. Merci. Merci, Benedito. Et merci à nouveau au Mexique et au Brésil de tous les efforts déployés pour accompagner le processus SMSI plus 10 et le renouvellement. Il ne fait aucun doute que vos efforts à New York et ailleurs, tout au long de l'année dernière, ont joué un rôle essentiel. Mais vos commentaires à propos des ressources Internet critiques m'a interpellé et je sais que ces questions nous posent problème depuis pratiquement le SMSI plus 1 et nous accompagneront encore de nombreuses années durant. Alors, je ne sais plus si c'est Hartmut ou Flavio, mais Hartmut pour rapidement nous parler d'initiative nette mondiale. Pour la plupart d'entre nous, de manière assez évidente, nette mondiale se limite à un événement ponctuel. Et l'initiative nette mondiale, ensuite vu le jour plus tard, elle est le résultat d'un accord conjoint entre le WEF, l'ICANN et CGI. Et nous le savons, l'ICANN et l'EOF, ne souhaitant pas continuer auprès de CGI, il faudra que CGI discute et reconfigure cette initiative. Nous sommes justement en train de le faire pour le moment au Brésil, essayer de voir en interne comment CGI assurera le suivi de cette plateforme. Et j'insiste sur le fait que Net Mondial Initiative n'est pas un événement, c'est une plateforme, et l'idée est d'offrir au monde des pratiques de référence, de bons exemples que l'on n'a pu repérer aux quatre coins de la planète. Mais il va falloir que l'on discute avec CGI, car si nous sommes seuls à bord, et je ne suis pas, je n'utilise pas un langage négatif en parlant du fait que nous sommes seuls, il va nous falloir revoir un petit peu les détails, réfléchir à la coordination et à la suite des événements. Mais d'ici à la fin du mois de juin, le conseil de coordination devrait être en place et nous sommes en train de reconcevoir
au plan interne ce que nous souhaitons mettre en place après juin 2016. Donc je vous demanderai d'être patient et d'attendre que nous ayons une toute dernière proposition à vous faire. Très bien, merci. Nous en avons terminé des orateurs ou de la liste des orateurs qui nous avaient été fournis par le secrétariat. Des personnes qui souhaitaient nous parler de partenariats concrets avec le FGI. Compte tenu du fait qu'il sera très bientôt 18h, j'aimerais arrêter là nos échanges, si vous en êtes d'accord. Alfred, vous souhaitez nous parler de la réception? Dans ce cas, je peux vous donner la parole dans quelques instants. Mais puisque j'ai la parole, donc pourquoi ne pas le faire moi-même? Il y aura une réception au sortir de la salle, accueillie par la société Internet, et vous êtes tous les bienvenus. Et à ce stade, est-ce que Chengetai aurait des remarques d'ordre administratif à faire? Il y a-t-il d'autres remarques de clôture à faire parmi les personnes à la tribune? Chengetai a l'air perdu dans ses pensées, donc je vais lui laisser le temps de réagir. Bien, nous allons revenir sur l'ordre du jour, le revoir à la lumière des discussions que nous avons eues. Et si vous avez des changements importants à faire, Denis en parlera au MAG. Cheryl a demandé à prendre la parole pour un court commentaire. Oui, très rapidement, je souhaiterais présenter mes remerciements. Je sais qu'il y a un certain nombre d'observateurs non membres du MAC dans la salle. Pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils participent à cette réunion. Je voudrais vraiment les remercier de leur participation. Je sais que la première réunion, on est parfois un petit peu perdu, mais j'aimerais vraiment les remercier d'avoir pris le temps d'être là. Oui, merci de cette remarque très importante. Nous sommes une discussion ouverte. Qui puisse sa raison d'être dans le fait que tout le monde est là. Donc nous espérons que vous reviendrez et profiterez des deux jours à venir, et je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette réunion en ligne. La journée a été très longue, j'imagine que c'est d'autant plus le cas pour ces personnes qui ont jonglé entre différentes réunions ou se trouvaient seules derrière leur écran, mais votre contribution, votre participation sont très importantes. La présidente a également la grande gentillesse de remercier les interprètes d'avoir été là, et de remercier également les personnes responsables de la transcription en direct, d'une très grande qualité et qui est d'une aide très précieuse, non seulement pour les personnes situées dans la salle, mais également celles qui participent en ligne, et pour les rédacteurs de procès-verbaux. La présidente remercie également le secrétariat de son travail d'appui. La séance est levée et nous reprenons demain à 10h. Merci.